Nous sommes en guerre. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne YouTube qui a la meilleure programmation du YouTube Game, et ça, j'ose le dire, et le partager à fond, donc n'hésitez pas vous-même à le faire. Ce soir, ce soir, live vraiment exceptionnel avec Stéphanie Gibaud, spécialiste du marketing, de la communication, qui a été employée à l'UBS, la fameuse banque suisse, et première lanceur d'alerte reconnue par la justice française. Aujourd'hui, on va parler évasion fiscale, on va parler banque, on va parler Suisse, on va parler de tous ces sujets. Qui évidemment ne sont pas traités dans nos médias nationaux. Bonjour chère Stéphanie, comment allez-vous ? Bonjour Mike, merci de me recevoir. Je pense que c'est important de parler de tous ces sujets et de surtout d'expliquer à ceux qui nous écoutent où est l'argent, puisque nous sommes une des premières puissances au monde qui fonctionne sans argent, qui a une dette colossale et qu'on reproche aux citoyens de coûter trop cher. Donc on va parler de cet argent qui manque cruellement dans... les deniers publics, d'énormes sommes. Par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu des alerteurs aussi qui nous parlaient des sommes dues par la grande distribution du PACA qui s'élevait à peu près 400 milliards d'euros en 20 ans. On a l'impression que les pouvoirs publics, que l'État, dès qu'il s'agit de puissants, ne cherchent pas à récupérer de l'argent. En tout cas, cet argent. Mais c'est toute la question, c'est-à-dire que moi, en me battant contre UBS, j'ai compris et je l'ai déclaré depuis que je suis devenue, entre guillemets, un personnage public, c'est-à-dire que c'est la culture du mensonge. Et c'est très compliqué de se réveiller, vous avez travaillé pour un employeur en étant dévoué, passionné de votre métier, etc. Et qu'en fait, on s'est servi de vous, on vous a menti, on vous a trompé. C'est très, très compliqué, c'est un peu même parallèle contre un enfant qui serait maltraité par ses parents, vous voyez. Un enfant, il ne peut pas imaginer que ses parents lui veuillent du mal. Eh bien, en fait, quand je me suis retrouvée face à l'État, puisque moi, j'ai la particularité, contrairement aux autres lanceurs d'alerte qui, eux, se battent, entre guillemets, contre une multinationale, contre une entreprise, contre un problème. Moi, mon premier ennemi, c'était UBS, et je pensais que ça allait rester mon ennemi, puisque l'État français qui lutte contre la fraude deviendrait mon ami, puisque j'ai été obligée de travailler, on va en parler après, j'étais obligée de travailler pour l'État français, notamment pour les douanes judiciaires, sur ordre de fonctionnaires assermentés. Mais je voulais juste dire, et qu'en fait, moi, j'ai découvert, et c'est un peu, vous savez, l'expression populaire, le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que, face à la culture du mensonge du BS, je suis une espèce de pierre angulaire avec le mensonge, la culture du mensonge de l'État. Et là, ça, c'est encore plus difficile à comprendre, si vous voulez, ou à accepter. Donc, on est dans un monde qui est un monde de théâtre, un cirque. On assiste à une pièce de théâtre avec des acteurs qui vous racontent tous, les uns et les autres, ce qu'ils ont envie de vous raconter, mais qui font tous partie du système et qui se soutiennent tous. Quelle que soit leur couleur politique et tout le reste. Et ça, c'est très, très compliqué à comprendre. On a facilement à dire c'est du complotisme. Mais sauf que quand on est dans une histoire comme la mienne depuis 15 ans, si on était complotiste, ça se saurait. Alors, on va parler de cet excellentissime livre, « Les coulisses de l'évasion fiscale, la femme qui en savait trop », que vous pouvez trouver au Cherche Midi.
On va en parler. Parce que vous savez, l'objectif chez nous, sur notre chaîne Géopolitique Profonde, c'est évidemment d'interviewer des gens sur la géopolitique, des personnalités sur, de tous bords, mais aussi de parler d'affaires. Parce que je trouve que nos médias, de moins en moins, parlent des affaires. Ce fut le cas à une époque, peut-être années 90 jusqu'aux années 2000, mais on a l'impression que dès qu'on a trait à des grandes affaires d'argent, il y a blackout, on met le couvercle par-dessus et on n'en parle plus. Alors du coup, chère Stéphanie, ma première question ce sera, parce que voilà, le sujet est quand même technique et peut-être ceux qui nous regardent ne connaissent pas UBS, c'est de dire d'abord qu'est-ce que exactement l'UBS ? L'UBS, c'est l'ancienne Union des banques suisses, qui est la banque suisse la plus ancienne, qui a plus de 150 ans, qui, au fur et à mesure des années, a fusionné, ou plutôt a racheté d'autres petites banques suisses, c'est le pays des banques, la Suisse, et qui est devenue, en 1997, donc il y a 25 ans, le plus gros employeur suisse et la plus grande banque de gestion de fortune au monde, puisqu'elle a fusionné avec la SBC, qui était la Swiss Bank Corporation, qui était la troisième banque suisse. Vous imaginez, la première et troisième banque suisse qui ont fusionné, qui est devenue un mastodonte, et qui est donc... On peut comparer par rapport à une banque française Est-ce Alors, qu'une banque française arrive à la cheville de l'UBS ? C'est pas tout à fait la même chose, je vais vous dire pourquoi. Parce que le pays en Suisse est plus petit et que la présence à l'international et notamment par rapport au monde de la gestion de fortune. Moi, je vais pas vous parler de la banque d'investissement, je vais pas vous parler de la banque d'asset management parce que j'y ai pas travaillé. Moi, j'ai travaillé à la banque de gestion de fortune. C'est la banque de gestion de fortune la plus grosse au monde. Non, Société Générale, si vous citez les banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, enfin, qui vous voulez, ont des services de gestion de fortune, mais n'ont pas le professionnalisme qu'ont les Suisses. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les Suisses ont institutionnalisé ce métier et c'est pour ça que ça a fait la réputation de la Suisse à l'international depuis la Deuxième Guerre mondiale, voire avant. Donc, la Suisse a profité notamment de ce secret bancaire pour construire sa réputation de sérieux, puisqu'il y a d'autres paradis fiscaux, mais la Suisse est un pays neutre. Enfin, surtout un pays stable, où il n'y a pas de changement politique avec des guerres, avec des révolutions, etc., etc. Le franc suisse qui est quand même très fort, hein, qui a toujours été une monnaie relativement forte, et d'où l'image de la Suisse à l'international, qui est ce petit pays au milieu de l'Europe, qui n'a pas accès à la mer, etc., mais qui, contrairement à nous qui avons pu conquérir, ou comme les Anglais, grâce à notre marine, eux, ils ont fait tout venir, ils ont fait venir chez eux, tous les étrangers qui avaient beaucoup d'argent. Alors, la fusion UBS-SBC en 97 a donné ce mastodonte qu'est UBS. Plus de 100 000 collaborateurs à un moment donné, avec les problématiques de 2008 et de la crise de 2008, il y a beaucoup, beaucoup de licenciements partout dans le monde. Mais là, avec la fusion Crédit Suisse, qui est donc la deuxième banque suisse, hein, je vous ai dit, UBS a avalé la troisième SBC, donc derrière UBS, il y avait Crédit Suisse. Et bien UBS maintenant, vient de racheter très récemment Crédit Suisse, pour je crois 1 milliard de francs suisses. À ces conditions, alors après la Suisse n'était pas trop d'accord, alors ils ont augmenté un petit peu, mais enfin UBS fait ce qu'elle veut, elle est tellement puissante. Et UBS étant tellement puissante, si vous voulez, elle a annoncé là qu'elle allait, je crois, supprimer 20% de ses effectifs. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que quand il y a eu ces problèmes en 2008 avec le problème d'évasion fiscale aux États-Unis, avec le problème Madoff, parce qu'UBS était le dépositaire du fonds Madoff au Luxembourg, ne l'oubliez pas. Ça, c'est pour la banque d'asset management, mais pour la banque de, mais pour la banque des traders, la banque d'investissement, UBS s'est retrouvée en étant la banque non américaine la plus importante, prise dans la crise des subprimes. Donc tout ça, ça fait qu'UBS avait licencié beaucoup de personnes et beaucoup de mes anciens collègues sont partis chez Crédit Suisse. Donc là, je me disais, ils vont être réintégrés, mais ils vont peut-être finalement être licenciés quand même.
Donc, il est peut-être aussi temps que tous ceux qui travaillent dans les banques se rendent compte de la non-éthique des banques, des directions bancaires. Alors, c'est vrai que tout le monde admire le travail d'UBS ou de Crédit Suisse à l'international, parce qu'on a l'impression que des banques, c'est tellement... ça gère notre argent, donc c'est tout sauf quelque chose dont on doit se méfier. Il faut vraiment quand même que tout le monde comprenne que c'est pas du tout le cas, parce que quand il y a un problème, on tombe sur les salariés, on tombe sur les clients, mais que la banque, elle continue à, naviguer. Alors, quelles sont les conséquences peut-être pour le monde bancaire européen de du rachat de Crédit Suisse par l'UBS? Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu en Suisse en ce moment, et pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup d'informations qui circulent, notamment sur Twitter depuis un moment, parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'est-ce que c'est que ces avoirs pourris chez Crédit Suisse. Donc, Crédit Suisse était proche de la faillite. C'est pour ça qu'elle a dû être rachetée par UBS, pour consolider en gros ses comptes, et pour pas qu'elle disparaisse. Et puis, il y a quand même des gens qui sont tellement importants, enfin, des clients tellement importants que ça la fout mal pour l'image de la Suisse à l'international. Donc, en gros, c'est un peu une situation explosive où, pour le moment, le bateau flotte à peu près. Il y aurait 20% des collaborateurs dans le monde qui seraient licenciés. Alors, est-ce que c'est plus en Suisse qu'ailleurs? Moi, je n'en sais strictement rien. Mais le risque, c'est de se retrouver avec des actifs tellement pourris et tellement nombreux, parce qu'il y en a peut-être chez UBS et on n'est pas au courant. Parce que vous savez, on est toujours au courant après. Étonnamment, les autorités de contrôle découvrent tous les scandales après les médias ou après qu'il y ait eu des lanceurs d'alerte ou après qu'il y ait eu des leaks. Donc, je pense que les Suisses, enfin les citoyens suisses, qui sont d'ailleurs en train de regarder sérieusement ce qui se passe, parce que c'est aussi leur épargne, c'est leur argent, c'est leur retraite, etc., ont quand même intérêt à faire très très attention, puisque la BNS, qui est la Banque Nationale Suisse, elle n'est pas aussi puissante que peut l'être la Fed aux États-Unis ou que peut l'être la Banque Centrale Européenne pour nous. Hein. Donc on va voir ce qui va se passer. Monopole. Ça ne crée pas une sorte de monopole et il n'y a pas une loi antitrust en Suisse? Il y a des lois, mais c'est comme toujours, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des lois, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des lois, mais il y a toujours la loi du plus fort. Et oui, qu'à partir là, si les trois plus grandes banques suisses, en gros, ont fusionné, c'est comme si les trois plus grandes banques françaises avaient fusionné. Est-ce que l'État français, je suis pas sûr qu'il aurait laissé faire. Mais je pense que là, ils n'ont pas eu d'autre solution. Parce que l'industrie bancaire suisse est ce qui continue à faire la réputation de la Suisse, malgré les montres de luxe et malgré le chocolat et malgré la high-tech et tout ce que vous voulez. La Suisse a une réputation à l'international sur les marchés financiers, je vous ai dit tout à l'heure, par sa stabilité, par le taux du franc suisse, par son professionnalisme, par le nombre de gens qui travaillent dans les banques et qui sont de toutes les nationalités. Hein. Moi, quand j'étais chez UBS, je me souviens, chaque bureau, si c'est on travaille avec France Offshore, il y a un petit drapeau français. Si on travaille pour un autre pays, il y a tous les drapeaux du monde. Hein. C'est un peu l'UNESCO, les Nations Unies, hein. UBS à ce niveau-là. Donc, bien sûr que c'est très, très, très dangereux parce que du coup, oui, c'est exactement ça. Il y a un problème de monopole. Et qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un problème? Eh bien, on revient sur ce que je vous disais il y a 3 minutes. Je n'ai peut-être pas été très claire, mais de vous dire les actifs pourris, est-ce qu'il y en a chez UBS? Et si oui, à quel niveau? Ben, y a bien des gens qui doivent le savoir, qui sont des auditeurs, qui sont des contrôleurs de gestion, qui sont des auditeurs externes, qui sont les autorités de contrôle. Moi, je n'ai pas ces fonctions-là aujourd'hui, je ne peux pas le savoir. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie alerte sur ce... Et c'est pour ça qu'il y a des gens en Suisse qui alertent, hein, très clairement. On va parler de votre livre dans un instant, mais là, pour le coup, on est sur un sujet excessivement intéressant et dont on ne parle pas ici en France. Donc ça, je pense qu'il faut creuser là-dessus. Vous avez parlé des avoirs peut-être pourris, des choses qu'ils ont peut-être non avouables, mais théoriquement, alors je vais poser une question très naïve, théoriquement, depuis la crise bancaire, enfin les crises des subprimes de 2008, est-ce que ce type de choses ne devrait pas exister en fait? Est-ce que les banques n'ont pas fait le ménage depuis 2008? Alors, il y a ce qui vous est dit,
Donc, ce qui vous est déclaré avec des communiqués de presse et puis avec des interviews et des conférences de presse, de présidents de banque, etc. Et puis, il y a la réalité. On sait tous qu'il y a eu, avec le fameux dossier américain qui a démarré en 2007 et cette histoire donc, d'évasion fiscale où Hillary Clinton, qui était le secrétaire d'État d'Obama, s'est retrouvé avec le dossier d'évasion fiscale UBS, dit « grâce à nous, le secret bancaire est percé, c'est terminé, maintenant la Suisse devra être transparente, etc. » Les États-Unis sont tellement forts, tellement plutôt de possibilités d'influence que l'OCDE a fait signer l'obligation pour tous les pays du monde de signer l'échange automatique d'informations. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui a refusé de le faire. Est-ce que vous savez lequel est ce pays ? Quel est ce pays ? Non, dites-moi. Eh bien, c'est les États-Unis. Donc, depuis 2008, les États-Unis sont devenus le plus grand paradis fiscal au monde. On entend parfois parler du Delaware, qui est le petit État au nord-est des États-Unis, dont le sénateur n'était autre que M. Biden, avant qu'il soit président. Et puis, il y a d'autres États américains qui sont plus côté bah, écoutez, vous savez, j'ai interrogé avant les présidentielles de 2022, genre mars, avril, le journaliste Jean-Baptiste Rivoire, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah oui, oui, oui. Qui a fait un reportage de 52 minutes sur le possible trust de M. Macron au Delaware, qu'il n'est pas obligé de déclarer suite à une décision de 2006 de Thierry Breton, parce que les banques Rothschild, les banques d'affaires Rothschild et Lazard, les collaborateurs ne sont pas obligés de déclarer leur trust. Et donc, avec M. Rivoire, on se demandait si ce trust de M. Macron n'était pas justement dans ce Delaware. Voilà. Et donc, SQBS est au Delaware. Et SQBS et Crédit Suisse ne seraient pas au Delaware. Vous voyez, il y a tout un travail d'enquête à faire, etc. C'est-à-dire que donc, pour aller droit au but, les États-Unis, avec cette, entre guillemets, manipulation de vouloir plus de transparence et de lutter contre le secret fiscal, le secret bancaire suisse, sont devenus de facto le premier paradis fiscal au monde puisqu'ils n'ont pas signé les accords de l'OCDE. Ils sont arrangés entre-temps pour que tous les Américains qui avaient des comptes offshore, et il y en avait un peu partout dans le monde, rentrent à la maison aux États-Unis. Vous savez que maintenant, quel que soit l'endroit du monde, si vous êtes Américain, domicilié en Australie, parce que vous êtes marié à une Américaine ou, je ne sais pas, marié à une Française en France, où vous voulez, de toute façon, votre banque est obligée d'envoyer vos revenus à l'IRS. Donc, en fait, ils ont gagné sur tous les coups. Hein. C'est un milliard à trois banques qui a été parfaitement… Eux ont droit au paradis fiscal, mais les autres n'en ont pas droit. Ben, en fait, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils, comme parce Obama… Parce qu'ils ont le Delaware, mais ils n'ont pas droit, les Suisses n'ont pas droit, eux, d'avoir le secret bancaire. Enfin, d'avoir plus droit et a priori, Dubaï et les autres non plus. Mais vous voyez bien que dans les faits, ça ne se passe pas forcément comme ça non plus. De toute façon, c'est une guerre économique. C'est une guerre d'influence. Donc, chacun défend ses intérêts. Voilà. Point. La Suisse, c'était son cœur de métier. Obama, pour gagner de la crédibilité, vous savez, aux États-Unis, il a quand même manqué beaucoup d'argent, il en manque toujours beaucoup avec cette histoire de dette. Donc, pour avoir cette crédibilité en 2008 avec Hillary Clinton, ils ont trouvé ce stratagème, en fait, qui est une guerre commerciale. Je vous dis, ils ont fait rapatrier l'argent de tous les Américains partout dans le monde. Ils ont fait en sorte que tous les pays du monde soient obligés de déclarer les avoirs américains, même si les gens sont américains et travaillent ailleurs, comme les Français qui sont mariés, je ne sais pas moi, une Brésilienne et qui vivent au Brésil. Enfin, c'est la vie. Donc, et en plus, ils sont capables de contrôler toute la planète parce qu'ils savent qu'il y a des comptes offshore chez eux. Que ce soit des Chinois, des Japonais, des Français, des Russes, des qui vous voulez. Donc, c'est un coup qui était un coup de maître dont, une fois de plus, personne ne parle et qui est un véritable scandale. Parce que donc, il lutte tout contre tous, sauf alors, contre la fraude. Vous avez été d'abord communicante au RC Lens et donc, je vais lire un passage de votre embauche.
Le contrat de travail est faxé le vendredi 9 juillet au matin chez ma sœur en Espagne, que j'ai rejointe pour les vacances avec mon fils Gaël. Sur le plan financier, je ne suis pas perdante. Dans mon club de foot, je gagnais 15 000 francs bruts par mois. 15 000 francs français, c'est ça? Ah ben oui, oui, oui. Voilà, bon. Non, parce que UBS me propose 280 000 francs annuels, mais il vous propose 280 000 francs français ou 4... Oui, oui, français. Eh bien, à l'époque, on d'accord. Est en euros, hein, c'est en 99. Donc, ouais. Soit un peu plus de 23 000 francs bruts mensuels. Je vais précisément retrouver le salaire qui était le mien avant de partir à Lens. Ma sœur a conservé son appartement dans l'11e. Elle est d'accord pour me prêter le temps que je dégote notre petit nid. Donc du coup, voilà, vous êtes embauché à l'UBS, vous travaillez au RC Lens, c'est-à-dire dans ce club de foot comme communicante. Comment ça, enfin je veux dire, c'est eux qui vous ont découvert, qui ont dit tiens, venez travailler chez nous. Comment ça s'est passé votre embauche? En fait, je suis partie en province, je suis partie donc à Lens qui jouait là, pour ceux qui aiment le foot parmi vos auditeurs, Lens en 98, qui est l'année où la France est devenue championne du monde. Lens est devenu champion de France, exactement. Et donc, quand on est champion de France, on joue la Champions League. Et pour jouer la Champions League, il n'y a pas que des joueurs sur le terrain, il n'y a pas que des entraîneurs, et il n'y a pas que des médecins, des kinés, etc. Il y a quand même toute une équipe. Un club de foot, c'est 200, 250 personnes quand même. Enfin, ceux qui s'y intéressent le savent. Mais, et que donc, il fallait quelqu'un qui parle très bien l'anglais. Pour les déplacements à l'international, pour toute la liaison avec l'UEFA, qui est en Suisse d'ailleurs aussi, comme la FIFA. Comme le World Economic Forum aussi. Voilà. Oui, la Suisse, comme quoi, hein, défend ses intérêts. Moi j'avais une amie qui travaillait à la Banque d'Investissement, une amie d'enfance qui travaillait à la Banque d'Investissement, qui un jour téléphone à mon bureau et qui me dit « Ah, mais tu ne veux pas rentrer à Paris ?» Je lui dis « Écoute, rentrer à Paris, si j'avais du boulot, pourquoi pas ?» Et elle me dit « Écoute, UBS est en train d'ouvrir à Paris une filiale de gestion de fortune. » Et moi, je réponds naïvement, je ne sais pas si je l'ai écrit dans mon livre, mais je réponds naïvement « Mais qu'est-ce que c'est que la gestion de fortune ?» Et donc, elle commence à me parler du marché de l'art, du marché de l'immobilier. Je ne sais plus de quoi elle me parle encore, enfin, ouais, ça remonte à 25 ans quand même maintenant. Et j'ai dû faxer mon CV, ou je ne sais plus comment j'ai fait, en disant, a priori, vous recherchez quelqu'un qui fait de la communication. Moi, je travaille dans un club de foot, je ne connais pas ce milieu de la gestion de fortune, mais je connais des gens qui ont de l'argent, j'ai travaillé avant à tel endroit, tel endroit, tel endroit. UBS, c'était 40 personnes à l'époque, pour ceux qui sont parisiens et qui connaissent les grands boulevards, le bureau est toujours boulevard Haussmann à Paris. Donc je suis allée à un entretien boulevard Haussmann et j'ai rencontré Jean-Louis de Montesquieu, le président de l'époque, qui me dit « Mais vous savez, on est comme Rolls-Royce, tout le monde nous connaît, mais on ne parle jamais de nous. » Alors c'est certain que c'est à l'opposé du monde du football. Hein. Le monde du football, ça fait du bruit. Il suffit encore de voir ce qui s'est passé au Stade de France hier. Voilà. Tout le monde parle de football tout le temps, au café du coin, enfin voilà, ce que vous voulez. C'est le sport le plus populaire au monde, même s'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ont acheté des clubs de foot. C'est un sujet aussi. Donc, je me suis retrouvée, arrivée après Tel Aviv. On a joué un match contre le Maccabi Tel Aviv, je me souviens, et dans la foulée, en Coupe d'Europe, pas en Champions League, en Coupe d'Europe, l'année suivante, à rentrer à Paris. Voilà. Et alors, lorsque vous étiez embauchée par UBS, quel a été votre rôle? Est-ce que votre rôle était le même que celui dans le club de foot et dans vos jobs précédents, ou vous avez peut-être un rôle peut-être différent? C'était une grosse surprise, voire une grosse déception. C'est-à-dire que moi, à Lens, j'étais quand même très autonome dans tout ce que je faisais. Si j'avais, des enfants handicapés qui voulaient rencontrer les joueurs, si j'avais...
un Rotary Club qui arrivait d'Australie, ça m'est arrivé, pour faire visiter le stade, etc. J'étais complètement autonome dans mon agenda, etc., même si, bien évidemment, j'avais des patrons auxquels je référais tout le temps. Chez UBS, je me suis retrouvée, je ne sais pas comment expliquer, dans une espèce de prison. Ben, je peux lire le paragraphe, si vous voulez. Ah ben, je m'en souviens par cœur, oui, ce que j'ai écrit. Alors, ouais. UBS France est une usine à gaz où je ne bénéficie d'aucune autonomie d'action. Quand une information doit être communiquée, pas besoin de me creuser les méninges, je dois seulement alerter le siège à Zurich, lequel, à son tour, transmet le bébé à l'agence de communication Publicis. Donc du coup, en fait, vous êtes communicante, mais en fait, les vrais communicants, c'est Publicis. Ah, mais c'est une horreur. Ah oui, c'était Publicis à l'époque, ça n'est plus. Publicis avait le contrat mondial, vous imaginez. Je crois qu'ils ne le sont plus depuis 2012. Mais oui, c'est-à-dire plus du tout d'autonomie. Moi, l'avantage, entre guillemets, c'était que je rentrais à Paris où j'avais passé plus de 20 ans. Voilà, et c'est sûr que Lens, c'est une expérience formidable, mais déjà le football, c'est 7 jours par semaine ou pratiquement. Quand on a un enfant, moi j'avais mon fils avait 5 ans à l'époque, donc c'est sûr que c'est des métiers de passion qui sont très demandeurs. Ça explique pourquoi il y a beaucoup de célibataires ou pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, qui ont une profession. Vous avez pu connaître Tony Verrel, le grand Tony Verrel. Plein de gens, oui. Travailler avec Emmanuel Petit, que j'avais rencontré à Arsenal, ou Patrick Vieira. Oui, c'est vrai. Vous êtes dans un monde qui est à la fois très sympa, parce que c'est le monde du sport, et qu'il y a ceux qui font partie du monde du sport et ceux qui n'en font pas partie. Et quand vous faites partie de cette famille-là, il y a un vrai, vrai attachement. Pour en revenir à UBS, vous étiez quoi? Vous étiez directrice de la communication? Quel est le poste exactement que vous aviez? Ben écoutez, comme je vous dis, on était 40 à l'époque. Moi, quand je suis partie, quand je devais être licenciée en 2009, il y avait plus de 500 personnes. Donc, mon poste a évolué au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, j'ai dû être embauchée comme, je me souviens même plus, ça devait être responsable marketing et communication, responsable, pas directeur. Alors, du coup, lorsque vous êtes responsable marketing, bon, alors, c'est sûr que vous aviez une augmentation par rapport au RC Lens. Mais en fait, j'avais retrouvé mon salaire parisien, c'est-à-dire j'avais perdu 15% d'aller en province et je les ai retrouvés en venant. Oui. Mais vous le dites, vous n'avez pas d'autonomie d'action. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, tiens, vraiment, je n'ai aucune autonomie, mais bon, ce n'est pas grave, je reste quand même à l'UBS? Ou est-ce que vous vous dites, je ne vais pas y rester longtemps? Mais écoutez, comme quoi dans la vie, il faut peut-être suivre ces... émotions ou son instinct. Effectivement, moi, je suis quelqu'un qui regarde, je suis quelqu'un qui écoute, je suis quelqu'un qui observe, et je me suis dit, c'est peut-être comme ça parce que c'est le début. Mais comme on n'arrêtait pas de nous dire à Paris, parce qu'effectivement, la dépendance par rapport à Zurich, quand vous êtes une filiale d'une banque suisse, je ne vous dis pas, c'est pour tous les postes et pour tous les métiers, vous avez un référent, enfin, ou un patron, ou plusieurs hiérarchies dans votre pays, mais vous avez les mêmes en Suisse. C'est-à-dire que vous référez à deux canaux différents. Et pour compliquer le truc, les canaux auxquels vous référez ne sont pas d'accord entre eux. Donc en fait, en permanence, vous êtes en train d'être pris entre deux feux, entre deux chaises. Vous ne savez jamais si c'est bien, si ce n'est pas bien. C'est des contrôles, des recontrôles, des surcontrôles, des sur-surcontrôles. Et qu'en fait, vous passez votre temps à ça. Et ça, moi, je n'avais jamais vécu ça parce que je n'avais travaillé finalement... Même si un club de foot, c'est 250 personnes, c'est quand même des grosses PME, donc où on est quand même très autonome, ou en tout cas, c'est pas des usines à gaz comme ça. Donc moi, je me suis dit, c'est peut-être une bonne occasion, moi qui n'ai jamais travaillé dans du CAC 40, ou c'est peut-être une occasion de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, comme on était censé grossir rapidement, effectivement, ça a changé rapidement. J'ai peut-être été comme ça 3, 4, 6 mois où je n'avais pas grand-chose à faire à part faire suivre des documents et où il y a quand même beaucoup à apprendre quand on arrive dans une banque comme ça, hein, parce qu'il y a des process dans tous les sens. Il y a un site intranet qui est... faut apprendre qui fait quoi, comment le groupe est structuré, comment ça va se développer. Vous faites beaucoup d'administratifs. Puis moi, je me suis dit, encore une fois, comme d'habitude, c'est moi qui ne dois pas tout comprendre et que voilà. Mais au point. Est-ce que peut-être à l'époque, vous étiez
comme on dit dans le tertiaire, corporate, très boulot, quoi, boulot, si je puis dire. Est-ce que vous étiez très comme ça peut-être à l'époque? Moi, j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours été quelqu'un qui suivait les instructions qu'on me donnait, quel que soit. J'ai travaillé à l'ambassade des États-Unis à Paris quand j'ai commencé ma carrière. C'était une autre forme de fonctionnement administratif. J'ai travaillé pour des investisseurs du Moyen-Orient pendant 8 ans. C'est pareil, c'est pas tout à fait ni la même culture, ni le même fonctionnement. Mais moi, j'ai toujours été habituée à m'adapter, à essayer de comprendre, puis à faire en sorte que je fasse bien mon boulot. À partir du moment où les gens sont satisfaits de ce que je fais et que moi, je suis satisfaite de mes journées, il n'y a pas de souci. Mais là, ça a évolué quand même très vite, parce que vous parlez de mon arrivée chez UBS, où effectivement, j'arrivais du monde du foot avec des joueurs qui sortaient de l'entraînement en short dans mon bureau d'un seul coup, avec des costards cravates qui vous regardent comme si vous êtes un insecte, parce que dans un club de sport, un club de foot, il y a les joueurs et il y a les autres. Dans une banque, il y a les banquiers et il y a les autres. C'est pareil. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. C'est très hiérarchisé tout ça? Bien sûr, c'est très hiérarchisé. C'est très hiérarchisé, c'est en fonction du nom que vous portez. Moi, j'ai en gros un nom comme le vôtre, c'est-à-dire, je n'ai pas le nom d'une grande famille française, je n'ai pas le nom d'une grande famille puissante. Dans les banques de gestion de fortune et notamment chez UBS, la très grande majorité des gens qui sont là, et notamment des banquiers, font partie de grandes familles, puisqu'ils sont là justement pour ouvrir des portes qu'ils peuvent avoir grâce à leur réseau personnel, grâce à leur réseau familial. Ou peut-être des Suisses surtout. C'est la grosse question justement. Moi, j'ai travaillé après avec les douanes judiciaires, etc. C'est-à-dire qu'en fait, dans les équipes commerciales, au début, c'est jusqu'à 2009, quand même, donc ça dure plus de 10 ans, bien évidemment, qu'il y avait des banquiers suisses à l'intérieur de nos équipes. Et le mieux de tout, c'est que souvent, c'était eux qui aidaient à ouvrir des portes à des clients pour que, au-delà d'avoir des banques de l'autre côté des montagnes, ils aient aussi des comptes en France, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais lire un passage. C'est un mélange des genres, en fait. D'accord. Qui n'aurait jamais dû être toléré dès le départ. Alors, je vais lire un passage qui me paraît excessivement intéressant sur ce fonctionnement de cette filiale. Parce que là, vous étiez à Paris, c'est une succursale française de la maison mère suisse. Oui, alors UBS, on peut appeler le mot succursale, c'est oui, le bureau, voilà. Le bureau français, la banque française. Et bon. Si j'étais un des patrons d'UBS en train de faire une conférence de presse aujourd'hui, je vous dirais qu'UBS, ça s'appelle UBS France, et qu'UBS est soumise à la France, est soumise au droit français, à la législation française, et que c'est pour ça que la banque a toujours nié son implication, quoi que ce soit, qui concernait l'évasion fiscale. Dans son livre « Ces 600 milliards qui manquent à la France », Antoine Peillon, voilà, déjà à l'époque, en l'an 2000, écrivait « Les 600 milliards qui manquent à la France », Antoine Peillon, journaliste à La Croix, auteur d'une enquête très documentée sur l'évasion fiscale, explique pourquoi une collaboratrice de la banque embauchée en 2000 par UBS France pour attirer dans ses filets des stars du showbiz et du sport perçoit des intéressements sans commune mesure avec le chiffre d'affaires qu'elle réalise dans l'Hexagone. L'argent qu'elle capte auprès des clients français file-t-il à l'étranger, en Suisse ou ailleurs? En tout cas, ses frais professionnels sont payés in fine par la Suisse. Cette collaborateur n'aurait fait qu'à Philippe Wick, le patron des chargés d'affaires du marché français international basé à Genève, comme le révélera le site Mediapart en 2013. À la fin de l'année 2000, je suis loin de tous ces petits arrangements. Ma vie change, son rythme s'accélère. Bon, déjà, vous dites qu'en 2000, voilà, vous ne comprenez pas ce système. Mais là, on apprend que, en fait, cette banque UBS en France, elle va chercher
un peu comme des représentants, vont chercher des clients. C'est-à-dire que ils vont voir monsieur machin, ils savent qu'il est riche, ils disent, monsieur, voulez-vous ouvrir un compte chez nous? C'est une façon de faire qui normalement, normalement se fait, ça ne se fait pas en France, j'imagine. Ben, c'est toute la problématique du procès qui a eu lieu et qui est la plus grosse amende qui avait été donnée à une banque en France. Hein, UBS en 2019 a été condamnée à payer une amende de 4,5 milliards d'euros parce que Bercy a considéré que c'était l'équivalent de ce qui était rentré à la cellule de régularisation qui s'était ouverte après l'affaire Cahuzac en 2013. Et pour ceux qui nous écoutent et qui se souviennent pas, l'affaire Cahuzac, c'est quand même notre ministre du budget qui disait lutter contre la fraude, être intraitable avec les petits qui paieraient pas leurs impôts en temps et en heure, et qui lui-même avait donc un compte offshore chez UBS à Genève, où on a su grâce à des articles de presse et des déclarations qu'il a pu faire à la justice que c'était des rétrocommissions de laboratoires pharmaceutiques. Faut quand même le faire, surtout après cette période Covid, qui avait été en plus qui transitait sur son compte et qui avait qui aidait à financer un parti politique. C'est pas rien quand même. Vous voyez, quand on vous parle de due diligence, j'imagine que les gens qui nous écoutent comprennent ce que c'est, c'est-à-dire le profil des clients, ce qu'on appelle aussi le KYC. Donc KYC en anglais, c'est Know Your Client, connaissez votre client. Qui est le rôle des banquiers, de savoir si cet argent, c'est de l'argent propre, si c'est de l'argent sale, si c'est des rétrocommissions, si c'est… Vous voyez bien que tout ça, alors, c'est alors des mots. Comment cette banque recrutait, justement? Il y avait juste une sorte de VRP qui recrutait. Comment ils cherchaient ses clients? Comment chercher des clients ou chercher des banquiers? Comment les banquiers, justement, parce que sur ce que je vois, c'est la banque… Qui allait voir des clients, j'imagine, et qui leur disait, voilà, nous pouvons vous faire, j'imagine, vous faire défiscaliser ou que sais-je, ou vous faire cacher. Alors, la banque, moi, quand je suis arrivée, je vous dis, elle a ouvert en 99, moi, je suis arrivée, il y a 40 personnes. En 5 ans, UBS a ouvert dans l'ordre à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, à Strasbourg, plus des mini-bureaux à Toulouse, à Aix-en-Provence. Pour créer cette banque, il a fallu débaucher les banquiers. Donc les banquiers, par exemple, le bureau de Marseille, c'est BNP Paribas. C'est toute une équipe de BNP Paribas qui est arrivée. Donc de BNP Paribas, ils avaient tous leurs clients. Donc les clients, généralement, suivent leurs banquiers. Ce n'est pas comme quand vous êtes client d'une banque du réseau où c'est M. Dupont, le lendemain c'est M. Martin, l'année d'après c'est Madame Schpuntz, et puis tout va bien. En gestion de fortune, vous travaillez sur la transmission de votre patrimoine à vos enfants, qui parfois vous avez été transmis par vos arrière-grands-parents ou grands-parents. Donc l'histoire, l'argent a une histoire. Donc généralement, c'est le même banquier qui vous suit. Parce qu'il sait que vous avez divorcé, que vous êtes marié, qui sont les enfants de votre épouse, etc., etc., etc. Parce que justement, ce qui fonctionne, c'est la confiance. Ça, c'est un principe fondamental dans les banques et surtout la Suisse. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de la Suisse. La Suisse est sur ses valeurs de sécurité, de jamais faire de bruit, et d'être justement dans la confiance en permanence. Tout le monde avait confiance dans les banques suisses, jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire. Alors du coup, j'en ai oublié votre question. Donc pour démarcher… Est-ce que c'est un marché prioritaire, la France? Alors, il faut que je vous refasse un… Ah ben, allez-y, on a le temps. Hein. Berlusconi, en Italie, a fait ce qui s'appelait le scudetto fiscale. Donc ça, c'est dans les années 90-95. Donc les Suisses, qui ont toujours un train d'avance, se sont dit, la France, avec Chirac, et l'Espagne, vont certainement faire la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de scudetto? C'est de rapatrier dans le pays les avoirs cachés, sans pénalité. Donc Berlusconi, c'est comme ça qu'il a pu récupérer en Italie beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils se sont dit, la France va faire pareil, l'Espagne va faire pareil. Donc en 1999, il y a 25 ans, a été décidée l'ouverture de UBS España et de UBS France.
Voilà, ça s'est fait comme ça au niveau de la stratégie. Donc moi, j'étais dans mon club de foot, je n'avais jamais entendu parler de gestion de fortune et que le bureau est ouvert quand j'arrive. Donc en Espagne, c'est pareil, ils ont développé le même réseau sur toute l'Espagne. Et puis finalement, ce que j'ai été capable d'expliquer aux autorités ici, mais aussi en Belgique et ailleurs, c'est que de toute façon, le modèle français, c'est le même modèle qui existait partout dans le monde. Est-ce qu'on sait combien de clients français ont ouvert à cette période-là des comptes à l'UBS? Et combien ça représente en milliards? En France ou en Suisse? De clients français qui ont ouvert de comptes UBS en Suisse. À la D'accord. Donc là, vous parlez de fraude et d'évasion fiscale. Oui, vous ne parlez pas des clients en France, chez UBS en France. Eh bien, écoutez, la réponse nous a été donnée par Bercy, puisqu'après un bras de fer qui a duré 4 ans, de 2016 à 2020, c'était juste avant le Covid, donc ça a forcément passé encore complètement inaperçu. Bercy a pu obtenir de la Suisse, après donc un bras de fer grâce à cet, entre guillemets, échange automatique d'informations et une perquisition qu'il y a eu en Allemagne, la liste de 40 000 comptes de fraudeurs fiscaux. Alors, comme je l'ai déjà dit à quelqu'un, sur ces 40 000 noms, vous avez eu l'affaire Cahuzac, qui a quand même défrayé la chronique, et on peut remercier Fabrice Arfi de Mediapart, parce que toute la classe politique, de droite comme de gauche, était solidaire avec M. Cahuzac, en disant, vous savez comment ça se passe en France, il y a présomption d'innocence, et que tout le monde disait que c'était pas possible, que c'était un coup monté, et que Fabrice Arfi et Mediapart se sont retrouvés être le vilain petit canard. Sauf que on a eu quand même un ministre du budget condamné. À part l'affaire Cahuzac, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu l'affaire Bettencourt. Madame Bettencourt. Alors, expliquez-nous plus en détail l'affaire Bettencourt, parce que Cahuzac, les gens s'en rappellent, mais Bettencourt, beaucoup moins, parce que c'était sous Nicolas Sarkozy. L'affaire Bettencourt, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire Madame Bettencourt, qui est une des plus grandes fortunes françaises, voire la plus grande à l'époque, qui a été enregistrée a priori par son majordome, et il y a eu donc toutes ces écoutes qui ont été révélées. On a tous appris, moi compris, qu'elle avait un compte chez UBS de mémoire, alors peut-être je me trompe, mais de mémoire c'est 70 millions d'euros, qui avait servi en partie pour la campagne présidentielle justement de M. Sarkozy, mais qu'elle donnait aussi de l'argent aux autres partis politiques. Et pour ça, M. Woerth, qui était le trésorier de l'UMP ou le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, je me souviens plus bien, peut-être un auditeur qui pourrait me corriger là-dessus. Je crois qu'il a été aux deux, il a bénéficié d'un non-lieu dans cette histoire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Fabrice Arfi a donné des interviews, alors à l'époque, parce qu'on se retrouve en 2008, 2009, et puis 2012-13 pour l'affaire Cahuzac. Fabrice Arfi dit qu'en fait, un jour, il a eu un soupçon d'indice. C'est un peu comme moi chez UBS où j'ai tiré un fil. C'est-à-dire qu'il avait entendu que Cahuzac défendait Éric Woerth dans l'histoire de l'hippodrome de Compiègne. Voilà, j'allais dire Senlis, c'est Compiègne. Et qu'en fait, il avait trouvé ça très étrange que deux types qui sont des opposants politiques, finalement, se solidarisent sur cette histoire. Et donc, il avait gardé un truc en tête et puis voilà, enfin bon, moi je ne suis pas là pour parler de son travail, mais enfin il a fait un travail d'investigation absolument extraordinaire, et donc on s'est retrouvé avec cette affaire Bettencourt tentaculaire, où donc, nouveau scandale avec des comptes offshore, encore chez UBS, encore à Genève. Donc la vraie question, c'est qui va s'intéresser, parce que 2020, on est en 2023 maintenant, à la liste des 40 000 comptes qui est rentrée à Bercy, qui sont les 39 998 autres personnes. Est-ce que ces 40 000 comptes, aujourd'hui, Bercy en connaît les noms? Est-ce que Bercy leur a fait un contrôle fiscal? Est-ce que Bercy a pris sa part sur ces 40 000 comptes?
Alors, ça, avant ça, il faut vous dire autre chose. Avec l'affaire Cahuzac, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, après, ça a quand même déclenché à l'Assemblée nationale plein de débats et c'est créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, où vous savez que maintenant, tous nos députés et tous ceux qui sont élus doivent déclarer leurs fonds, etc. Mais enfin, ça n'empêche qu'il y a des scandales en permanence. De gens qui oublient de déclarer leurs revenus, de gens qui nous dirigent, de droite comme de gauche d'ailleurs. Voilà, ça c'est une chose. Et donc, avec cet argent qui est rentré à partir de 2012, parce que les petits fraudeurs, c'est de 1 million à, allez, on va dire 30, 40 millions d'euros. C'est-à-dire que finalement, ce sont les gens qui ne sont pas protégés par l'État. 30-40 millions, c'est quand même pas c'est quand même beaucoup d'argent, hein, malgré tout. Mais, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pour ça que quand on parle des conséquences en permanence, tout à l'heure j'ai brièvement parlé des gilets jaunes, mais que tout le monde est sur les conséquences en ce moment, des hôpitaux, il n'y a pas de chauffage dans les écoles cet hiver, il y a des plafonds qui tombent dans des collèges, il n'y a plus de maternité, il y a des mamans qui accouchent dans leur voiture. On est en train de réformer, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Il va falloir travailler plus parce que a priori on coûte tous, enfin surtout vous tous, vous coûtez trop cher à la collectivité. Qu'en fait on est dans un pays qui est tiers-mondialisé, je sais plus comment on dit, mais où est l'argent, et qu'en fait tout le monde parle des conséquences. Ce dossier UBS fait partie des causes, et les causes c'est quoi? C'est que toute cette, on peut dire élite, on peut dire oligarchie politique, financière, économique, médiatique. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de la grande distribution, mais tous les propriétaires de grands magasins de distribution sont tous des clients de gestion de fortune. On n'en parle jamais de ça non plus. Où sont leurs comptes? Dans quelle banque? Moi, j'ai quand même vu un certain nombre d'entre eux, mine de rien. De toute façon, j'ai vu tout le monde en 10 ou 12 ans chez UBS. Bon, alors vous avez tous un qui sont des gens quand même très puissants et qui sont tous très médiatisés, en tout cas une grande partie sont très médiatisés, qui ont l'air comme ça sur les plateaux télé et partout ailleurs avec leur joute verbale d'être adversaires, etc. Mais il ne faut quand même pas se leurrer. Tout ça, c'est ce système qui s'auto-entretient et qui est la cause de tout ce qui manque à la société, au bien commun, à l'intérêt général. Alors, pour répondre à votre question, entre 2013 et 2017 ou 2018, quand les cellules de régularisation s'est fermée, de comptes offshore UBS sont rentrés, a priori, 5 milliards d'euros. Et c'est pour ça que la juge a jugé UBS avec une amende de 4,5 milliards en disant « on vous donne la même amende que ce qui est rentré ». Ça ne paraît pas grand-chose, 5 milliards. Alors, moi non plus, mais c'est ce que je vous disais, ce qui est rentré, ce sont les petits, c'est-à-dire les gens qui avaient fait un héritage, puis qui avaient laissé ça en Suisse, les gens qui se planquaient un peu d'argent, etc., etc. Voilà, souvent, c'est des professions libérales, c'est des patrons de TPME, c'est, je ne sais pas, des commerçants, voilà. Bon, c'est-à-dire le problème, c'est la bourgeoisie, quoi. C'est une petite bourgeoisie, on va dire. Oui, mais c'est… Ce n'est pas les vrais riches, en fait. Et c'est toute la problématique de ce que je vous disais tout à l'heure. Comme vous disiez, est-ce que tout s'est arrêté? Je pense que vous croyez au Père Noël, c'est, excusez-moi de vous dire comme ça, mais il faut arrêter de penser… J'ai envie d'y croire encore. C'est mon âme d'enfant. Bien. Non, mais sur ce sujet-là, vous voyez bien qu'on a affaire à des gens qui ont le monopole à tous les niveaux, le monopole médiatique, le monopole financier, le monopole économique. Ce sont des gens qui font ce qu'ils veulent. Donc, mon collègue Pierre Condamin-Gerbier, pour ceux qui nous écoutent, doivent absolument écouter cette vidéo, ses déclarations au Sénat. Ça dure une heure. Il a été entendu, je crois, en 2013 ou 2014, où il explique que toutes les techniques se sont depuis sophistiquées. Donc, il y a beaucoup de possibilités, notamment que ce soit votre banquier soit en Suisse, mais votre argent est à un clic de souris à Singapour ou à Dubaï, et que surtout, les grosses, grosses fortunes ont un patrimoine. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que le fait d'avoir supprimé le secret bancaire en Suisse, ça n'a pas cassé leurs affaires, quoi.
ils se sont améliorés sur des fortunes bien plus importantes, en fait, c'est ça ? Voilà, et puis en Suisse, mais dans d'autres pays, dans les fiscaux, il faut quand même parler des intermédiaires financiers. Parce qu'on parle des banques, là. Effectivement, la responsabilité des banques, pardon, est énorme. Mais en Suisse, il y a ce qui s'appelle des fiduciaires, des intermédiaires financiers, il y a des avocats. Si vous n'avez pas vu le loup de Wall Street, regardez juste la séquence qu'on doit pouvoir trouver sur Internet, qui est la séquence où Jean Dujardin, qui est un banquier suisse, même si dans la vie il est français, hein, oui, je crois qu'il est toujours français. Oui, il est français. Oui, non, mais parce que comme je crois qu'il était aux États-Unis à un moment donné, enfin bon, bref, Jean Dujardin qui joue le banquier suisse, qui reçoit Leonardo DiCaprio, qui est en train de planquer du pognon comme c'est pas possible. Enfin, si vous avez vu le film, c'est délirant. Et en fait, on voit que chacun essaye de, comment dire, enfin, chacun défend ses intérêts. Notamment quand DiCaprio revient le voir, parce qu'il n'a pas mis l'argent à son compte, mais il l'a mis au nom de sa tante qui vient de mourir. Donc, il veut récupérer l'argent. Et qu'en fait, Jean Dujardin est en train de tout faire pour que l'argent, ce soit lui qui le garde. C'est des trucs hallucinants. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas croire qu'on est avec des gens gentils. Regardez cette scène, elle est stupéfiante. Donc, en fait, ces gens-là... Cette scène est réelle ? Elle est réelle. C'est un film. Mais dire, est-ce que la réalité, ça se passe comme ça ? Mais bien évidemment, on est quand même dans un pays qui ne vit que là-dessus, que par ce secret, que par... justement, quand on parle sur les petits clients de due diligence, de connaître vos clients, clients, il faut savoir combien ils gagnent par mois, comment ils sont en entreprise, comme machin, comme truc. Ne dis pas que quand c'est des intermédiaires en armes, que ce sont des intermédiaires quelconques, il y a une véritable vérification. Je vous donne juste un exemple. Juste un exemple. En France, il y a des professions réglementées, qui sont les avocats, qui sont les notaires. Vous, par exemple, monsieur Borowski, vous êtes notaire. Vous êtes mon notaire, je suis quelqu'un de très riche. Vous allez dire à UBS, je connais Stéphanie Gibault qui a, allez, soyons fous, 100 millions d'euros. Ça changerait ma vie, mais ce n'est pas le cas. Mais, eh bien, UBS ne peut pas vous rémunérer parce que vous êtes français, vous vivez en France et que vous avez une profession réglementée. Donc, on va vous inviter vous jouer au golf, on va vous inviter à jouer au golf. Ça passe par mon métier à la banque. Votre femme, je ne sais pas, est une fan d'opéra, on va vous inviter à l'opéra. Votre fils était classé au tennis, on va vous inviter à Roland-Garros dans la loge. Et ça, c'est ce que je croyais, moi, quand je travaillais chez UBS. Vous voyez ? Ça, c'est ce qui est affiché. À votre avis, dans la liste des 40 000 comptes, il n'y aurait pas des professions intermédiaires qui auraient été rémunérées justement parce que ce sont des intermédiaires financiers qui permettent à la banque de faire un business qui est le sien. C'est-à-dire que les avocats feraient aussi partie de ces listes. Ah ben bien évidemment. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si, pourquoi est-ce qu'UBS m'en veut autant ? Mais pourquoi est-ce que l'État français m'en veut autant ? Enfin, vous ne comprenez pas, ce sont a priori deux ennemis, deux gens qui s'affrontent. Moi, j'ai écrit quand même au juge en 2016 une dizaine de fois avec accusé réception pour que le juge me reçoive. Le juge ne m'a jamais reçu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il reçoit Bradley Birkenfeld, qui est le lanceur d'alerte américain sur l'affaire, tout à l'heure je vous ai raconté, Hillary Clinton, Barack Obama, etc. Quel document a donné Bradley Birkenfeld à la justice française ? Vous ne savez pas, mais moi je sais. Dites-moi. Sont les miens. Pourquoi ? On est sur une histoire de fou. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, les poupées russes, et ben, là, pour le coup, ce n'est pas les poupées russes, c'est les poupées françaises, américaines et suisses. Et qu'en fait, le grand public qui croit penser la plus grande affaire de fraude fiscale et machin, etc., etc., mais c'est géré par l'État français comme du n'importe quoi. Parce que donc, UBS qui a été condamné... Est-ce que c'est fait sciemment ? Est-ce que c'est géré sciemment comme du n'importe quoi ? Parce que voilà, il faut protéger des amis et des gens puissants, ou est-ce que c'est une forme de bêtise d'après vous ? Je pense que vous avez la réponse dans votre question.
comme je dis, il n'y aurait pas d'intérêt pour que Bruno Le Maire, qui a pris la suite de Michel Sapin hein, à Bercy, ne règle pas mon dossier, pas plus que Michel Sapin. Je vous fais un rétro-pédalage. Allez-y. On a François Hollande qui est élu avec mon adversaire, c'est la finance. Je pense que personne ne l'a oublié, celle-là. Avant lui, on avait eu la crise de 2008 et Nicolas Sarkozy, sa fameuse déclaration, les paradis fiscaux, c'est fini. Ça fait combien de temps ? Ça fait 15 ans. En 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que je vous ai expliqué sur les Américains, qui sont devenus le plus grand paradis fiscal au monde grâce à leur déclaration, l'OCDE, le fait que les Américains, partout dans le monde, leur banque est obligée de déclarer à l'IRS, etc. Et qu'en fait, la question à se poser, c'est qui est le grand gagnant de l'affaire UBS ? Est-ce que c'est UBS ? A priori, pas vraiment, parce que UBS, avec des dossiers comme le mien, des petits problèmes en Belgique, en Allemagne, en Argentine, en Grèce, en Espagne, enfin où vous voulez. Est-ce que ce sont les clients UBS ? A priori, allez demander à tous ceux qui ont dû aller à la cellule de régularisation à Bercy. Pas eux non plus. Qui a gagné ? Pourquoi pas un seul journaliste se pose la question ? Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit, avec une affaire comme la mienne, je souvent dis, j'ai l'impression de passer de l'autre côté du rideau, vous voyez, et de regarder un théâtre de l'autre côté, c'est que tout ça, c'est du grand cinéma. Parce que moi, donc, mon histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en 2008, c'était il y a 15 ans, en juin 2008, d'ailleurs c'est la première page de mon bouquin, ma supérieure hiérarchique, nouvellement recrutée chez BNP Paribas, arrive dans mon bureau comme une furie. Elle m'apprend qu'il y a une perquisition chez Patrick de Fayette, qui est donc le directeur général de la banque, et que donc, je la cite, étant donné les circonstances, me demande de détruire le contenu de mon disque dur et donc de tous les fichiers qui contenaient le nom des clients que j'invitais depuis mon arrivée à la banque. Alors, comme je l'ai dit, il y a des tonnes de journalistes. On va en parler. Parce que c'est dans votre livre, on va parler de cette supérieure hiérarchique, parce que j'ai des questions justement dessus, ne vous inquiétez pas. Mais avant, j'ai d'autres questions sur votre vie à l'UBS, parce que je vais lire un passage. Au niveau 1, les objets tombent lentement et l'on s'ennuie. Plus le niveau augmente, plus les objets tombent vite, plus la mission se complique. Jusqu'à ce que vous laissiez déborder par le rythme frénétique imposé par la machine. Comme Tetris, mon aventure chez UBS a débuté en septembre 99 au niveau 1. Mais elle a sauté des paliers pour atteindre le niveau 100 dès 2001, c'est-à-dire en moins de deux ans. Ce qui est quand même une progression de 1 à 100, on va dire, c'est quand même énorme. Au début, boulot de folie. Peut procurer une sensation grisante, enivrante, jusqu'à ce que la cadence devienne difficile à tenir, à la limite de l'insoutenable. En 2001, donc, ma vie de dingue me plaît. C'est ce que vous dites. UBS France est un TGV lancé à pleine vitesse. J'ai réussi à prendre ce train. Je ne veux surtout pas en descendre. Je vis une aventure passionnante. J'ai un métier intéressant, valorisant. J'organise des soirées prisées, qui rassembleront jusqu'à 2000 convives. Justement, vous-même avez, sur cette période-là, été grisé par cette vie. C'est quelque chose qui vous a attiré, qui vous a plu. Et vous pensiez d'ailleurs, j'imagine, que vous allez encore monter les échelons bien plus haut que vous n'y étiez en 2001. Bah, en fait, j'avais retrouvé finalement le même intérêt que j'avais dans le monde du football, où j'étais prise du matin au soir et du soir au matin. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de passionné par ce que je faisais. J'ai toujours travaillé énormément. J'ai jamais compté mes heures. J'ai jamais compté, ce qui est important, c'est qu'il y ait un résultat et que voilà. Donc, j'étais prise, oui, dans le train. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'ouverture de Bordeaux, l'ouverture de Marseille, l'ouverture de Lyon, avec des nouveaux collègues qui arrivent, des nouveaux événements à leur proposer. Ça veut dire avoir des idées novatrices, etc. Parce qu'en gestion de fortune, la complexité est d'avoir des clients qui peuvent tout s'offrir, peuvent tout s'acheter. Donc, il faut leur proposer du rêve. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, si vous possédez une Ferrari,
Vous ne pouvez pas aller sur le circuit de Maranello. Pas possible. Même si vous êtes client, vous ne pouvez pas. Avec UBS, vous pouvez. Parce qu'il y a des partenariats qui permettent à ceci, cela. Et vous leur permettiez ça. Vous leur permettiez ça. C'est-à-dire que vous avez mais des choses. Ben, c'est-à-dire que justement, c'est la force d'une banque comme UBS. Et ça, c'est, elle n'a pas de concurrent là-dessus. Par exemple, sur les tournois de golf, les tournois de golf UBS, c'est les meilleurs au monde. C'est-à-dire même BMW, par exemple, qui organise, il y a peut-être des clients BMW qui nous écoutent, qui organisent ses propres tournois de golf partout dans le monde. Et en France, il y en a beaucoup. Les clients qui ont des BMW qui venaient me dire, le cahier des charges chez UBS est tellement élevé. UBS, c'est l'école. C'est la meilleure école au monde. C'est pour ça que quelqu'un qui a été collaborateur d'UBS est suivi par des headhunters, des cabinets de recrutement, des cabinets de chasseurs de tête. Quelqu'un qui sort d'UBS est immédiatement mis ailleurs. Il n'y a personne qui est sur le carreau. Il n'y a que moi. À quel moment, parce que vous avez aimé cette vie, et ça je veux comprendre, à quel moment vous n'avez plus aimé cette vie, est-ce que c'est au moment de l'arrivée de cette DRH, est-ce que c'est ça le déclencheur, ou est-ce que c'est clair avant... que en 2007 il se passe un événement absolument délirant, et c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'affaire américaine avec le fameux Bradley Birkenfeld qu'on découvre tous. Personne ne le connaissait, en tout cas en France, personne ne le connaissait, où on découvre les déclarations qu'il fait à la presse, c'est-à-dire qu'il est banquier qui travaille chez UBS, qui aide ses clients à frauder le fisc, qui planque, j'avais oublié celle-là, qui planque des diamants dans des tubes de dentifrice pour passer la douane. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, je travaille dans une banque depuis 10 ans, où on n'arrête pas de me dire qu'on respecte toute la régulation de notre pays. Moi, je suis française, donc en France. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Donc forcément, on a dans la banque une communication qui nous dit « le type est fou, il raconte n'importe quoi, c'est un cas exceptionnel ». Sauf qu'à ce moment-là, tout change. C'est comme un tremblement de terre, vous voyez, dans une famille. Il y a quelqu'un qui rentre et puis on se dit « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et puis en fait, la famille est par terre parce qu'elle découvre, j'en sais rien, moi, que le type est un gangster ou j'en sais rien, qui est le nom de vie, qui n'est pas l'enfant ou le frère qu'on connaissait. Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que toute la presse était là-dessus quand même. Hein. Est-ce qu'il y a eu ce basculement seulement chez vous ou vos collègues aussi ont intellectuellement basculé en disant, ouais, qu'est-ce qui se passe dans notre banque ? C'est pas que moi et c'est pas que la France, c'est la planète entière. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que. Mais souvent les employés, quand ils sont juste comme ça, ils peuvent se dire bon, de toute façon, on m'en fout, moi je gagne bien ma vie. Parce que toutes les procédures internes ont été changées partout dans le monde. Moi j'étais une élue du personnel, donc je me suis retrouvée à signer. Vous savez, quand vous êtes au CE ou au CHSCT, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle CSE, vous signez des tonnes de documents, d'accès aux locaux, de sécurité, de tout ce que vous voulez. Tout a changé à cause de cette histoire. C'est-à-dire que chez nous, justement, moi j'étais obligée de signer en tant que secrétaire du CHSCT, ça devait être en 2008 ou 2009, le fait que les Suisses, les banquiers suisses, ne pouvaient plus accéder aux bureaux français pour y recevoir leurs clients. Ils ne pouvaient plus avoir accès à nos locaux. Et donc, il y a eu une espèce de muraille de Chine où ils ne venaient plus non plus sur les événements que j'organisais en France. Tout a changé avec Birkenfeld. Donc, les gens se retrouvaient comme ça. Parce que justement, mais moi, c'est tout ce que j'ai appris. C'est-à-dire que ceux qui aidaient leurs clients à dire « Écoute, moi, je ne peux pas faire ici, mais je vais te présenter quelqu'un qui va pouvoir faire de l'autre côté des montagnes », tout ça, ça a été obligé de se terminer. Mais avant cette affaire, vous ne vous en êtes jamais douté ? Parce que là, je vais lire un paragraphe. Vous dites, je ne savais rien, je ne vois rien. Mais vraiment, vous n'avez rien vu avant ? Moi, je n'ai jamais entendu parler de mots dont tous les médias se sont emportés. Évasion fiscale, je n'en ai jamais entendu. Jamais. Moi, j'ai toujours entendu le président de la banque, Patrick Defayette et tous les autres pour lesquels je travaillais. Mais nous, on respecte la législation française, on est audité, on a des auditeurs internes, on a des contrôleurs, et en plus, on a les autorités françaises auxquelles on réfère. De toute façon, pour avoir notre licence en France, il faut qu'on obéisse aux lois françaises. Moi, j'ai un métier où je suis jamais là.
Parce que ça, vous ne le dites pas. Mais moi, je ne suis pas derrière mon ordinateur comme tous les autres qui sont à la banque toute la journée. Moi, je suis un jour à Bordeaux, le lendemain, je suis à Nantes, le jour d'après, je suis à Lille, le jour d'après, je suis à Strasbourg, après, je suis sur un concert, après, je suis pas. Je l'écris dans mon livre, je suis dans les aéroports, dans les trains, à Orly, je sais où j'ai acheté mon journal, on n'achète plus de journal aujourd'hui, mais je sais où j'achète mon journal, je sais où je prenais mon café, et je connaissais Charles de Gaulle par cœur, où je prenais l'avion pour aller à Strasbourg, parce qu'il fallait que j'y sois à 11h, et donc il n'y a pas de TGV, enfin bon, vous avez une vie qui est une vie où vous êtes dans votre truc, et en fait, vous êtes dans des process en permanence, parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'une banque, c'est comme un sous-marin, c'est-à-dire qu'il y a des compartiments partout. Même la fille qui travaille dans mon bureau, je ne sais pas ce qu'elle fait au quotidien. Donc le mec qui est deux bureaux à côté, vous ne savez pas. Le bureau en face, non plus. Vous savez qu'il est banquier, vous savez qu'il est je ne sais pas quoi, mais vous n'avez aucune idée de à qui il réfère, alors, qu'est-ce que c'est que son quotidien. Donc moi, je ne suis jamais là. Quand je rentre, alors, c'est de l'administratif. Je fais mes notes de frais. J'ai une conférence avec machin, j'ai un truc avec truc, il faut des parapluies envoyés à tel endroit. Mais donc je vous pose la question parce que vous l'écrivez, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, mais c'est pour ça que l'histoire Birkenfeld aux États-Unis, moi je me souviens, j'avais les Échos et la Tribune à l'époque qui arrivaient dans mon bureau. Et alors maintenant on n'ouvre plus le journal, mais qu'est-ce que c'est que ce. Je vais être vulgaire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais qu'est-ce que c'est que ce type qui dit qu'il a le fichier des clients, qu'il aide à truander? En plus, il y a une histoire de clients russes. Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, je vais lire le paragraphe là où, pour le coup, vous expliquez que vous ne voyez rien. Et c'est très compréhensible, c'est pas un jugement de valeur que je fais, c'est je pose une question, voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, tous ceux qui ont essayé de me discréditer m'ont tous dit « mais c'est pas possible, vous ne pouviez pas ne pas savoir ». En fait, il faut que les gens qui nous regardent comprennent, parce que les gens qui nous regardent se posent des questions. Alors, et sinon, composer trois fois un faux code PIN pour en bloquer l'accès, ça fonctionne sur tous les matériels UBS. La procédure a tout prévu pour ne pas en arriver en pas extrémité. Si vous avez besoin de données sensibles lors de votre voyage, envoyez données à votre adresse email sans oublier de les crypter. Le mail restera en Suisse et vous pourrez télécharger dans le bureau UBS de la filiale sur votre téléphone ou votre ordinateur portable. Utilisez la clé spéciale mémoire que vous pouvez commander sur la boutique en ligne UBS réservée aux collaborateurs. Elle est cryptée et vous donnera plus de sécurité qu'un simple ordinateur ou téléphone portable. Sur place, tout doit être mis en œuvre pour brouiller les pistes. Vous aurez probablement téléchargé des données sensibles dans votre ordinateur portable, téléphone. Ce n'est pas un souci, mais n'oubliez pas de tout détruire avant de repasser la frontière. Pendant le séjour, il est recommandé de ne pas dormir là où se trouvent d'autres collègues UBS. D'essayer d'être le plus imprévisible possible, changez de restaurant, de taxi, de lieu de rendez-vous avec votre client. Quand vous voyagez avec un collègue, coordonnez-vous pour raconter la même histoire si vous êtes arrêté par les douanes. Hallucinantes ces procédures, et moi, je ne vois rien, débordé par l'organisation de mes events, leur suivi avec la Suisse et ma direction à Paris, cette vie pleine de strass, de stress et de nicotine ne peut pas durer. En septembre 2006, je suis décidé à arrêter la cigarette une bonne fois pour toutes. J'en parle à mon médecin, ça ne peut plus continuer comme ça. Bon, voilà, ça confirme ce que vous dites. Voilà, vous êtes dans les organisations et donc vous ne saviez pas. Mais on sent qu'il y a en amont, alors, ce document, il y a un process, quoi. Ce document-là, justement, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ma supérieure hiérarchique en 2008 rentre dans mon bureau comme une furie et me demande de détruire le contenu de mon disque dur. Elle va revenir pour savoir si j'ai exécuté et elle me demande de détruire mes armoires d'archives qui plus ou moins comprennent la même chose. Chez UBS, dans les couloirs à ce moment-là, on est en 2008, il y a l'affaire Birkenfeld, donc américaine, hein, en coulisses et dans les médias, il y a des bennes à ordures que vous retrouvez dans tous les sous-sols des immeubles parisiens où les gens viraient tous leurs documents. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, c'est mon métier. Je l'ai dit à des milliers de journalistes que j'ai rencontrés depuis 15 ans.
C'est comme si on vous demandait, vous, en tant que journaliste, d'aller détruire tous les articles que vous avez écrits depuis que vous êtes journaliste. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que votre direction vous demanderait ça? Donc moi, comme cette femme venait d'arriver et que ça ne se passait pas très bien, je me suis dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, pour moi, c'était moi en faute. C'est-à-dire, je voyais qu'on m'en voulait, je voyais qu'on voulait se débarrasser de moi, mais je ne comprenais pas. Donc, tout ce qui était dans mes armoires, j'ai ramené chez moi. C'est-à-dire, tous les jours, je ramenais 5 cm ou 10 cm en fonction du volume, du poids, de ce que j'avais comme sac, etc. Et puis, en fait, j'ai passé 6 mois à éplucher tous ces documents. Et celui dont vous venez de parler et qui est dans mon livre, en fait, c'est un document que j'ai retrouvé et qui n'était pas, dont j'étais destinataire, soit, mais qui n'était pas destiné pour moi, parce que ça, c'était destiné aux banquiers suisses. Pour qui, justement, notamment quand ils viennent voir des clients à l'étranger, comment est-ce qu'ils peuvent passer les douanes? C'est exactement tout ce que vous avez raconté. Est-ce qu'ils doivent, ils doivent faire 3 codes PIN et compagnie pour bloquer leur téléphone, etc. Donc moi, quand j'ai compris ça, ben, si vous voulez, je me suis retrouvée un peu à être un journaliste d'investigation ou à être un flic qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Enfin, il y a 15 ans, parce que tous ceux qui écoutent, qui peuvent dire « Elle raconte n'importe quoi », remettez-vous dans le contexte de 2007, avant la crise de 2008 et avant Nicolas Sarkozy et compagnie, les paradis fiscaux, c'est fini et compagnie. Quand l'histoire Birkenfeld arrive, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce type qui dit qu'il passe les frontières avec des diamants dans des tubes de dentifrice, qui dit qu'il aide ses clients à frauder le fisc? Il faut être fou pour aller dire un truc pareil. C'est un tremblement de terre, ce truc. C'est-à-dire qu'effectivement, la banque, UBS, qui en plus s'est retrouvée avec l'histoire d'être la banque non américaine la plus impactée dans la crise des subprimes, pratiquement en même temps, et avec l'histoire Madoff, dont elle était dépositaire de fonds au Luxembourg, vous voyez là, c'est Crédit Suisse qui était en faillite. 2008, c'est UBS. Donc moi, quand il y a tout ça qui arrive, je me dis, mais j'ai besoin de comprendre. En fait, je pense que c'est peut-être mon défaut dans la vie. Moi, j'ai besoin de comprendre ce qu'on me raconte. Exactement. Sinon, j'aurais fait comme tous les autres. J'aurais béné. Comment on fait les autres? Voilà, les autres, j'imagine qu'ils ont mis la tête dans le sable. Exactement. Et c'est justement à chaque fois que quelqu'un me dit « Ouais, cette femme raconte n'importe quoi », ou alors on me dit « Oui, mais c'est un secret de polichinelle, pardon. » Ah bon? Mais si c'est un secret de polichinelle, où était l'autorité des marchés financiers? Où était la commission bancaire, la Banque de France, Bercy, les douanes? Où est-ce qu'elles sont, tous ceux qu'on paye tous les mois pour justement lutter contre la fraude, la justice, les magistrats, les juges et compagnie? Ah, mais alors quand une histoire comme la mienne, on se dit, mais peut-être que ces gens-là, ils ont des comptes, hein, où ils touchent des rétrocommissions pour fermer les yeux. Et ça, je vous le dis, parce que moi, il m'est arrivé une histoire, j'ai dû aller au tribunal, bah, je ne sais combien de fois, et qu'en fait, je n'ai jamais pu obtenir un document qui était très important pour moi. Et en fait, en croisant quelqu'un par hasard dans Paris, dans le métro, comme quoi voilà, la vie parfois, c'est assez délirant, je croise quelqu'un qui a travaillé au service juridique d'UBS, à qui je dis, qui me dit « ça n'a pas l'air d'aller », je dis « en fait, je devais récupérer un document d'une entité administrative française, et en fait, la personne responsable… m'a fait comprendre que je ne pouvais pas l'avoir avant 15 jours. Sauf que je dois aller en justice et que j'ai besoin de ce document. » Et puis, cette personne du service juridique d'UBS France, quand même, me dit « Ah ben oui, mais elle a un compte à Genève. » Et je dis « Pardon, pour quelqu'un qui fait partie d'une administration française, et ce n'est pas quelqu'un qui est au gradé, hein, c'est pas un ministre, hein, c'est pas un… » Et là, vous vous dites, voyez, moi, j'ai fait que mettre des pièces d'un Lego là, vous vous dites… ensemble. Même l'administration française est pourrie. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourrie, quoi, pour dire les choses. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que tout ce que vous dites, enfin, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que les gens comprennent bien que ça, c'est la cause de tout ce que les gens vivent comme conséquence. Mais est-ce que les gens, ils n'ont pas une forme de fatalisme ? Voilà, là, on fait des révélations disant, voilà, une dame d'administration a des comptes en Suisse, et puis les gens, ils se disent, ah bon, Ah, mais je pense que c'est tout un état d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas ça aujourd'hui dans ce pays? Mais c'est pas que. Moi, ça fait 15 ans que ça dure, donc c'est pas aujourd'hui. Hein. Ça date quand même. On a un problème, je pense, éducationnel, donc un problème de culture, où on accepte la corruption. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Qu'il y a effectivement tellement de gens qui en profitent
Parce que de toute façon, quand on est dans le système, c'est que on accepte ça. Sinon, on sort les gens du système. Et ça, on le voit aussi chez les lanceurs d'alerte, justement. Ou sinon, le truc tient plus. C'est-à-dire que moi, je n'ai fait que justement aller dire aux entreprises, aller dire dans les universités, mais la transparence, c'est nécessaire pour tant de choses. On est en train de parler de bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Et si le premier à ne pas respecter la loi, c'est l'État, mais vous avez c'est qu'il y a des complicités à l'intérieur de l'État. Qui sont... Vous avez raison, mais regardez. Et qu'en fait, c'est des lignes hiérarchiques qui descendent et ça va jusqu'en plus bas. Si je vous donne juste l'exemple des douanes avec lesquelles j'ai travaillé donc, de manière obligatoire entre 2011 et 2012. Ça, on va en parler, mais allez-y. Tous les gens de cette équipe de douanes, une fois que l'affaire a été terminée pour eux, ils ont tous eu des promotions. Et puis, on a quand même des gens à Bercy qui sont capables de nous dire où ils ont été promus. Mais regardez, c'est extraordinaire. Moi, je vais vous donner un exemple. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de M. Baptiste Rivoire, journaliste, qui a parlé des trusts possibles qu'aurait eu M. Macron suite à la vente d'une filiale de Pfizer à Nestlé. Bon, imaginons que cette affaire serait sortie dans les médias, bon, de masse. Est-ce que vous pensez que les gens se seraient dit « Oh là là, c'est un grand scandale » aujourd'hui, hein. Est-ce qu'ils se disent « Oh là là, c'est un grand scandale » ou est-ce qu'ils auraient dit « Bon, bon, de toute façon, ils sont tous voleurs, c'est pas grave, on va quand même voter pour lui. » Il y a un peu de fatalisme, il y a un désintérêt, il y a une grosse fatigue et il y a une impuissance. Mais il y a certainement aussi beaucoup de choses. Justement, je réécoutais, parce que quelqu'un m'a tagué dans un poste où j'ai rencontré, on avait fait une conférence à Bruxelles avec Michel Collomb sur le sujet d'Assange, et il m'avait interviewé sur les lanceurs d'alerte. Et je disais, en France, quand je demande aux gens, quand je fais une conférence, qui parmi vous pourrait me citer des noms de personnalités françaises qui se sont retrouvées dans les Panama Papers? Il n'y a jamais personne. Alors, la question, c'est pourquoi ? Ce n'est pas de faire culpabiliser les gens. Les gens courent toute la journée. Ils courent après des problèmes qui sont des gros problèmes. Ils courent après l'argent. Ils veulent payer leur loyer. Ils viennent d'être licenciés. Ils divorcent. Ils ont perdu quelqu'un du Covid. Ils ont des enfants qui ne vont pas très bien. Il y a des problèmes. On est dans une société qui est quand même très, très malade. Donc, comme les gens sont focalisés sur leur problèmes, leurs gros problèmes pour eux dans leur vie, mais qui sont des petits problèmes, par définition, ça, c'est intouchable. Mais imaginez-moi, quand vous parlez tout à l'heure de UBS, mais moi, pour moi, UBS, c'était forcément une institution respectable, puisqu'elle venait d'ouvrir en France. Enfin, je suis française dans le pays des droits de l'homme, qui était le pays des droits de l'homme. Je suis une Française qui, justement, le droit du travail en France est le droit le plus protecteur. Moi, j'étais une collaborateur protégée. Ça n'a pas empêché que je sois licenciée, ça n'a pas empêché que depuis 12 ans, c'est moi qui suis obligée de me justifier en justice. Mais vous vous rendez compte que vous êtes dans un truc qui est, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc les gens qui commencent à comprendre des petites bricoles, ils ne veulent surtout pas en entendre parler. Et on les comprend, parce que qui est-ce qui veut se retrouver sans maison ? Qui est-ce qui veut se retrouver sans salaire ? Qui est-ce qui veut se retrouver avec des procédures en justice ? Ah ben, de rien. De rien. J'ai... C'est le monde du travail. Même le RSA, on vous l'a enlevé. Alors, au mois de février, c'est tout un problème avec Pôle emploi qui est en train de traquer, justement, les gens qui sont les plus pauvres. C'est une honte. Une honte absolue. Je ne parle même pas de mon cas en particulier, parce que mon cas n'intéresse personne. C'est pas la peine que je fasse du misérabilisme, parce que le problème n'est pas là. Le problème est dans quel état, dans quel pays on se retrouve pour être un des pays les plus riches au monde, puisqu'on fait quand même partie du G7 et du G20, où on avait les meilleures lois de protection au monde, que ce soit pour la retraite, on voit bien comment c'est en train d'être détricoté, le droit du travail qui est détricoté aussi de partout, etc., etc., etc. À Pôle emploi, justement, il y a des gens qui ont cotisé les derniers mois et qui ont enchaîné des CDD, on leur dit mais qu'ils ne peuvent pas toucher le chômage et qu'ils tombent directement en RSA. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a une nouvelle réforme, et point. Et les réformes, elles se discutent comme ça, par des gens qui ne sont absolument pas concernés. Et là, je crois que maintenant, pour toucher le RSA, les gens vont quand même être obligés de travailler 10 à 15 heures par semaine.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'à cause de cette histoire, lorsque vous voulez trouver un emploi, eh ben, on googlise votre nom, on dit « Ah non, Madame Gibaud, désolé, on n'a rien pour vous ». C'est ça, en fait? Ah, mais ce n'est même pas ça, c'est que moi, je n'ai aucune réponse. C'est comme si j'étais transparente, comme si je n'existais pas. C'est-à-dire que tout le monde est OK pour me faire parler de manière gratuite partout, parce que ce que je dis est intéressant et n'est dit par personne ailleurs. Mais par contre, pour me faire travailler, et vous voyez, même auprès de ceux qui pourraient dire qu'ils sont contre le système, les syndicats, les associations, l'opposition politique de droite ou de gauche, et qu'en fait, il n'y a personne. Alors la vraie question à se poser toujours, c'est à qui profite le crime ? A priori, les syndicats, ils sont tous contre la fraude fiscale, ils sont plutôt contre. A priori, les associations aussi, notamment celles qui se disent protéger les lanceurs d'alerte. Moi, j'ai coché toutes les cases. Je suis celle qui a eu le plus de procès. Je suis celle qui, non seulement est une lanceuse d'alerte, mais en plus a travaillé pour l'État français. Donc l'État, c'est vous tous. C'est les 70 millions de Français, c'est les 19 millions de foyers fiscaux, etc., etc. Et étonnamment, ni l'administration ne veut reconnaître mon travail, ni la justice n'avance dans mon dossier. Il y a des appels partout de la part de Bercy. Vous vous demandez quand même pourquoi Bercy fait des appels dans mon dossier quand Bercy me traîne en justice, ou plutôt se retrouve en justice face à moi. C'est quand même vous qui payez les procédures avec vos impôts. Bon, pourquoi il vous envoie en justice aujourd'hui ? Alors, pourquoi est-ce que je suis en justice face à UBS ? C'est parce qu'en fait, j'étais reconnue comme étant la première lanceuse d'alerte en France sous la loi Waserman en septembre 2022, et qu'en fait, ce statut de lanceur d'alerte me permettrait, parce que maintenant, je ne sais pas s'il faut dire les choses ou les mettre au conditionnel, donc d'obtenir un dédommagement par rapport au préjudice que je subis avec UBS, donc qui m'a placardisé, isolé, discriminé, a sali mon image dans les médias, et donc a fait que ma carrière se termine, en plus de m'avoir, m'avoir harcelé pendant des années, ce qui a créé des pressions, etc., etc. Je me retrouve quand même avec UBS dans des procédures de justice qui sont interminables. Donc ça, c'est pour le côté UBS. Mais le côté de l'État français, je mets juste mon ordinateur en charge. Du côté de l'État français, Monsieur Sapin, ministre des Finances, en 2016, a fait, voulait que la loi Sapin protège, lutte contre la corruption, et que dans cette lutte contre la corruption, il y a un volet de protection des lanceurs d'alerte. Donc, à ce titre-là, j'ai été reçue plusieurs fois à l'Assemblée nationale pour expliquer ce qu'il faudrait faire pour que les gens soient protégés. Et puis, j'avais écrit à François Hollande et à Michel Sapin un nombre incalculable de fois pour qu'en fait, ils se positionnent sur mon dossier. Bercy m'a répondu à l'époque que j'usurpais ce titre de lanceuse d'alerte, que je n'étais pas lanceuse d'alerte, que je n'étais juste qu'un témoin dans un dossier. Alors, comme dirait l'autre, un témoin, ça témoigne. Moi, j'étais obligée de travailler pour des fonctionnaires assermentés sur ordre de mai 2011 à juillet 2012, ce qui a permis à ce que UBS soit condamné et toute l'histoire que vous connaissez médiatiquement, les 4,5 milliards, l'appel en justice où UBS a été recondamné, ainsi que les dirigeants d'UBS à des peines de prison avec sursis et des amendes pas très élevées, mais ils ont quand même tous été condamnés et condamnés en appel. Et bien donc, Bercy me dit à ce moment-là, en 2016, vous n'êtes qu'un témoin utilisé dans un dossier. Je ne suis pas témoin, moi. On m'a demandé, donc les douanes judiciaires françaises m'ont demandé de sortir des informations confidentielles des serveurs de BS sur ordre. Alors, vous pouvez pas. Moi, j'ai le droit de vous dire à vous aujourd'hui que je n'ai pas envie de vous parler, ou que je n'ai pas envie de parler au Figaro ou à Mediapart, mais vous ne pouvez pas dire à des fonctionnaires assermentés que vous ne voulez pas leur parler. Ça, ce n'est pas possible. Et il faut bien que les gens le comprennent. C'est-à-dire que quand on dit que je suis une taupe, que j'ai mangé dans le gâteau et que après, non mais attendez, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai refusé de détruire des données parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui allait pas et qu'on m'en voulait. Suite à ça, j'ai déposé une plainte contre UBS, la plainte est épaisse comme ça. Je suis allée, c'est écrit dans mon livre, je suis allée sur l'île de la Cité, j'étais tellement stressée que je me suis trompée et que je suis allée, je me suis trompée d'adresse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Moi, je n'ai pas voulu cautionner, j'ai dénoncé, et après, j'ai des fonctionnaires assermentés qui m'ont demandé de les aider. J'ai aidé ces fonctionnaires. Donc, il est normal, étant donné
la taille du dossier, le fait que ce soit la plus grosse affaire de fraude fiscale en France, qu'en plus on ait eu un ministre du budget qui avait ses comptes chez UBS alors qu'il demandait à tous les Français de se serrer la ceinture, etc. On voit bien que moi j'ai fait preuve d'exemplarité et depuis j'ai eu 7 procès que j'ai tous gagnés. Donc justement, j'ai attaqué Michel Sapin, donc Bercy, ouais, en justice. Allez-y. Et en 2018, le tribunal administratif de Paris m'a reconnu collaborateur occasionnel du service public. Ça s'appelle COSP, collaborateur occasionnel du service public. Donc, j'ai écrit au patron des douanes de l'époque, parce que de Madame Croque-Vieille, on était passé à Rodolphe Gins. Et Rodolphe Gins a toujours dit « Non, non, pour nous, le dossier est réglé ». Mais il n'est pas réglé, puisque lui me disait « Vous n'êtes qu'un témoin utilisé dans un dossier » et que la justice dit derrière « Les collaborateurs occasionnels du service public ». En français, il y a une loi qui dit que vous devez rémunérer pour les gens, tous les gens qui travaillent pour vous. Sauf que moi, c'est rigolo, parce que je ne sais plus comment les appeler. En fait, ils m'ont utilisé, alors que j'étais en état de faiblesse, puisqu'à cause du BS, je n'arrêtais pas d'avoir des arrêts maladie, j'ai fait une dépression, j'étais quand même une maman qui élevait toute seule mes enfants, etc., etc. Et que j'étais quand même très abîmée avec les 4 ou 5 années où je me battais parce que j'ai refusé de détruire ces données et que j'étais un responsable du personnel qui défendait les collaborateurs face à la banque et les intérêts des clients de la banque. Eh bien, Rodolphe Gins a toujours dit « Non, non, Stéphanie Gibault, dossier classé ». Donc, on a réattaqué en justice au tribunal administratif, puisque donc, vous savez que les administrations en France, c'est une administration différente, une justice différente. Et donc, l'année dernière, incroyable, ça devait être le 7 juillet ou le 8 juillet 2022, mon avocat reçoit le jugement, il m'appelle, les juges ont décidé que Bercy devait revoir sa position face à moi et donc rémunérer, indemniser le travail auprès de ses services. Un appel de 3 mois. Passe le 7 août, passe le 7 septembre, on arrive le 7 octobre, et je me dis, ben, on va avoir un coup de fil reçu par Bercy, et à 20h, c'était un vendredi de mémoire, à 20h, je reçois un mail de mon avocat, 2 pages de Jérôme Fournel, de la DGFiP, donc Jérôme Fournel, c'est le chef de cabinet, ou en tout cas très très proche de... très proche du ministre qui est aujourd'hui Bruno Le Maire, mais c'est quelqu'un qui est proche de Darmanin, enfin tous ces cercles philosophiques et administratifs, politiques, sont tous un écosystème. Écrit une lettre de 2 pages disant que, un, les informations que j'avais fournies n'étaient pas assez précises, et que 2, les informations que je leur ai fournies, ils les avaient déjà. Et donc, ils faisaient appel de la décision de justice. Quelle bande de salopards. Et au dernier moment, quoi. Ah, mais j'ai... Mais déjà, c'est leur méthode. Depuis 15 ans. Mais c'est pour ça que je dis à vos auditeurs, l'ennemi, est-ce que c'est UBS ou est-ce que c'est l'État français? Parce que quand l'État français vous traite comme ça, alors que vous avez aidé à ramener le UBS, c'est une enveloppe de 20 milliards. Alors, je n'ai pas le décompte. Moi, puisque... je vais vous dire, chère Stéphanie, bon, moi, je viens de l'administration, enfin, je ne viens pas de l'administration, je viens des institutions plutôt. J'étais à l'Assemblée, Sénat, j'étais à l'Élysée, etc. Dans ma vie d'avant, oui, l'État est l'ennemi de son propre peuple. C'est une évidence. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'il y a des manifestations dans les rues, il y a voilà, des gilets jaunes qui sont mutilés, qui sont agressés, il y a des gardes à vue intempestives, il y a des étudiants en situation de précarité qui sont obligés de faire un repas par jour parce qu'avant, avec 20 euros, ils tenaient la semaine, maintenant avec 20 euros, l'inflation, ils tiennent 3 jours. On a la grande distribution avec les 300, les 400 000 milliards qui manquent en PACA que personne ne réclame, ni les préfets, ni les élus. Et moi, qui ai vécu en PACA hein, ces 6 dernières années, je peux vous dire qu'effectivement, c'est... je peux dire que c'est mission impossible, ce que dit Martine Donnès, mais en tout cas, il n'y a aucune écoute, il n'y a aucun soutien.
Tout est comme ça, hein. Il n'y a plus d'hôpitaux. L'hôpital est en danger. Vous avez bien vu qu'il manque d'infirmières et il manque de personnel médical, mais que, étonnamment, on réintègre pas les soignants suspendus ni les pompiers suspendus qui sont depuis 500 jours sans revenus, c'est-à-dire comme moi. Mais qu'est-ce que c'est que cet État qui dit être le pays des droits de l'homme, qui dit être le pays du G7 ? Quand est-ce que tout le monde va sortir un peu de cette espèce d'affrontement permanent de droite et de gauche, t'es pas bien et toi t'es pas bien non plus. Hein. Quand est-ce qu'on va parler de fédérer, d'unir? Quand est-ce qu'on va parler de la défense des citoyens? Et quand est-ce qu'on va essayer de comprendre que cette histoire des 40 000 comptes, c'est justement le dossier qui tient tous les autres? Alors, on va parler, mais je vais quand même revenir un peu sur votre livre aussi. Et là, j'ai un paragraphe qu'on m'occupe d'être un peu sympathique et qu'on va commenter. En interne, une altercation fait jaser. Le 19 septembre 2007, dans l'amphithéâtre de Swiss Life, situé boulevard Haussmann à Paris, sur le trottoir opposé du siège du BS France, lors d'une réunion avec tous les responsables de bureaux de Paris et de province, Patrick de Fayet a failli en venir aux mains. C'est du moins ce qu'assurent plusieurs personnes présentes avec Miguel, un ancien d'Indosuez, cubaise, débauché en 2001 pour le placer à la tête de la région PACA après quelques années de service à Paris. Un de ses clients a vendu un prestigieux hôtel parisien, montant de la transaction 250 millions d'euros. Autant dire une coquette somme à placer. Le client n'étant pas un résident français, il peut placer son argent en Suisse. Fayet demande donc à Miguel de placer cette somme dans le carnet du lait. Alors, expliquez-nous un peu ce carnet du lait. C'est-à-dire que justement, c'est là où je vous dis, mais cette histoire UBS, c'est quand même de la science-fiction. On voudrait l'inventer, qu'on n'arriverait pas à 10% de ce qu'est ce dossier. Moi, j'ai appris, mais c'est toujours pareil, si j'avais su tout ça en rentrant chez UBS, vous vous doutez bien qu'avec ma conscience, ma personnalité, mon professionnalisme, je n'aurais jamais accepté. Quel que soit le prix, on aurait pu multiplier mon salaire par 100, jamais je n'aurais accepté. Donc moi, je découvre finalement que je travaille chez des gangsters. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, des pirates, des menteurs, des manipulateurs, c'est-à-dire des gens qui m'ont raconté à moi, mais qui ont raconté aussi à plein de gens. Parce que moi, avec mon histoire, il faut quand même que je vous fasse une parenthèse, bien évidemment, ça n'a pas surpris les banquiers qui étaient tous au courant, mais il y a beaucoup de fonctions support dans une banque. Mais il y a beaucoup de gens qui, moi, m'ont appelé à partir du moment où j'ai eu mes problèmes à la banque, en me disant, mais Stéphanie, mais moi, j'en ai jamais entendu parler de ce carnet du lait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ce carnet du lait? Eh bien, comme évidemment, tout ce qui passait à l'offshore, mensuellement, c'est-à-dire quand le client voulait ouvrir un compte de l'autre côté et que par définition, c'est pas autorisé, le banquier mettait en relation avec quelqu'un. Alors, pour la France, c'est essentiellement Genève, ou c'est Lausanne. Par exemple, pour les Allemands, c'est surtout Zurich. Pour les Italiens, c'est surtout Lugano, parce que les Italiens ont continué aussi à avoir des comptes offshore, etc. Donc, ils vous disaient, on va vous mettre en lien avec quelqu'un de l'équipe Spoons à Genève. Donc, le client envoyait, ouais, il allait en Suisse, ou le banquier venait chez lui, enfin bon, bref, ou voire même dans les bureaux de BS France, et ouvrait son compte avec le montant concerné. Sauf que le banquier français qui a envoyé son client ouvrir un compte de l'autre côté, tous les ans au mois de février, il attend son bonus. Et un bonus de banquier, ce n'est pas un bonus de Stéphanie Gibault, hein, puisque c'est sur le chiffre. Donc forcément, plus vous faites de chiffres, voilà. C'est là où je dis quelque part qu'il y a une ligne jaune et que bah, la ligne jaune, elle est dépassée. Donc, ces transactions, elles étaient tenues à la main, dans un carnet, avec un crayon papier. Et à la fin du mois, vous avez parlé de Philippe Vic tout à l'heure, qui était l'équivalent de Patrick de Fayette en Suisse. Ils se parlaient, ils se voyaient. Et puis, ils disaient, autant est passé par ici, autant est passé par là. Et puis, pour faire les bonus, eh ben, les bonus étaient en fonction de ce qui était dans notre pays et ce qui était passé de l'autre côté. Et comment je le sais, ça?
C'est parce que justement, il y a eu une réunion, je crois que c'est en février 2008, où tous les patrons, Lille, Marseille, Bordeaux, etc., se retrouvaient dans une salle d'hôtel avec la DRH du BS qui annonçait les pôles bonus. Qui disait Lyon, tu as 100, Bordeaux, tu as 30. Puis après, les patrons de bureau, ils dispatchaient à leurs banquiers en fonction des résultats des banquiers. Sauf que le bureau de Lyon, pour ne pas le citer, s'est retrouvé avec une enveloppe de bonus bien supérieure à un autre bureau de province qui avait des actifs supérieurs. Et que là, le patron en question a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et que c'est comme ça qu'est sortie cette affaire de carnet du lait que nous, les non-banquiers, pour lesquels nous, les non-banquiers, n'étions absolument pas informés. Je vous ai parlé tout à l'heure de du cloisonnement dans la banque. Vous n'avez aucune information qui circule. C'est le monde du silence, c'est le monde des poissons. C'est pour ça que ça m'a complètement changé du monde du football où, je vous disais, j'avais les joueurs qui venaient parfois avec leur guitare ou avec leur scooter dans mon bureau en short en sortant de l'entraînement. Là, vous passez d'un monde à un autre. Enfin, c'est de la folie furieuse. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors donc, effectivement, il y a des lois, il y a des règles, il y a des ordinateurs, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il y a des serveurs dans des pays, il y a des transactions. Et puis en fait, la première banque de gestion de fortune au monde aide ses clients à évader le fisc avec un carnet et un crayon à papier. Mais je vous dis, vous êtes scénariste de film, vous faites ça, personne, il n'y a pas un mec dans la salle qui ne peut pas hurler de rire, tellement c'est gros. Et pourquoi ça s'appelle carnet du lait ? Ça, c'est encore mieux. C'est parce qu'en fait, dans les alpages en Suisse, les vachers, tous les soirs, après avoir trait les vaches, écrivent dans un carnet du lait, combien de lait ils ont tiré de la traite des vaches. Ça veut dire en plus que les Suisses nous ont vraiment pris pour une vache à lait. Parce que le marché principal en Europe, effectivement, alors l'Allemagne, c'est un énorme marché, l'Allemagne, mais comme ce sont des lenders, en gros, c'est un peu indépendant, alors que nous, on est un pays centralisé. Le plus gros pays. Mais vous vous dites, mais quand vous avez compris ça ? Moi, j'ai compris il y a 15 ans. C'est pour ça que je vais écrire mon livre et il va être vendu à des millions de lecteurs. Parce que tout le monde va s'y intéresser. Et en fait, j'ai eu tout faux, ça n'a intéressé personne. Mais regardez, pour ce carnet du lait, on parle quand même, parce que là, il y a une transaction de 250 millions d'euros. Hein, c'est pas. Donc vous imaginez la com qu'il y a derrière pour le banquier ? Oui, c'est un hôtel de l'avenue Hoche, pas compliqué. Ceux qui habitent Paris peuvent douter de quel hôtel il s'agit. Ça doit être l'hôtel Monceau, je pense. Parce qu'on sait que l'hôtel Monceau a été vendu, je crois, à des Qataris, je crois. Parce que, bon. Maintenant, ça appartient au Qatar. Mais, tout se tient. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous me dites tout à l'heure, il y a des scandales, et puis finalement, les gens sont un peu blasés parce que c'est des scandales les uns après les autres. Les gens pensent que c'est des trucs isolés. Madame Bettencourt par-ci, Monsieur Cahuzac par-là, il suffit d'ouvrir la presse, il y a un scandale tous les jours. Et puis, en fait, c'est un écosystème, un monde. Et vous avez dit que ça n'intéressait pas les journalistes. Pourquoi, d'après vous, ça n'intéresse pas les journalistes ? Est-ce que parce que c'est aussi parce que les médias en France sont pris en main par les grandes fortunes ? Est-ce que c'est une des réponses, par exemple ? Alors, il y a une des réponses qui est là. Moi, tous les grands patrons de presse, vous doutez bien que je les ai côtoyés ou je les ai vus. Ça, c'est une raison. Et puis, les journalistes, il y a de bonne volonté, il y a des gens qui font très correctement leur boulot. Mais on leur donne un prisme et on leur donne un temps. Pour faire du journalisme d'investigation, on parlait de Jean-Baptiste Rivoire tout à l'heure, on parlait de Fabrice Arfi. Il faut du temps. Il n'y a pas besoin de travailler hein, pour votre affaire. Vous avez tout donné, il n'y a qu'à publier. Hein. Parce qu'en fait, il y a une ligne éditoriale et on va se focaliser sur un truc. Alors par exemple, on a beaucoup écrit sur les joueurs de foot de 98, parce que ça fait vendre du papier qu'on parle de tel ou tel joueur. Et puis pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste.
Mais même le journaliste, d'ailleurs, qui est sur ces sujets-là, il n'a pas le temps. C'est un peu comme moi dans mon ancien boulot. Les gens sont pris par le temps, ils obéissent, ils ont un truc à faire, on leur dit « tu dois faire ça pour demain matin, machin, tu fais ce prisme-là ». Et puis, dans l'interview, on a beau aller leur raconter un truc ou un machin, ce n'est pas ça qu'ils veulent aller voir. Donc, en fait, c'est des choses qui se croisent. Effectivement, il y a la pression des investisseurs, il y a ce que demande la ligne éditoriale, ce que demandent les clients. Moi, j'ai envoyé je ne sais combien d'informations qui n'ont jamais été publiées. Par exemple, on a eu un patron d'UBS suisse en France, parce qu'on n'avait plus de président pendant un moment, qui s'appelait Alain Robert. Donc, moi, je me suis retrouvée en tant que membre du CE et membre du CHSCT par rapport à Alain Robert. C'est dommage, je n'ai pas pensé à vous sortir le document face à moi. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'on parle du recrutement de la personne française qui va arriver, qui va le remplacer. En gros, on dit, nous les Suisses, on a besoin de quelqu'un qui sache pénétrer le CAC 40, les grandes fortunes françaises. Alors, j'oublie la phrase parce qu'elle est édifiante. Mais pourquoi les journaux ne veulent pas publier ça ? On a besoin de quelqu'un qui sache... par son carnet d'adresse, nous aider à pénétrer toutes les sphères de décision française. Voilà ça. Toutes les sphères de décision française, le CAC 40 et les grandes familles françaises. Moi, j'étais membre du CE. Donc, bien évidemment, le procès verbal, il est signé par la direction et par le secrétaire. C'est diffusé à toute l'entreprise. Ben, ça, je l'ai montré à des centaines de journalistes. Ça n'intéresse personne. Donc, on est toujours à parler des conséquences, d'un petit truc, d'un petit machin. On ne veut pas revoir. Et la cause, c'est quoi ? Ben, la cause, c'est ce système qui est fait avec des compromissions, avec un État qui est tout sauf un État propre et qui a des gens qui servent cet État, que ce soit des hauts fonctionnaires, que ce soit des députés, des ministres, qui s'accordent très bien là-dessus. Alors vous vous dites mais comment c'est possible, on est la France, le pays des droits de l'homme, la justice est indépendante, enfin tout ce que vous entendez au quotidien. Mais si c'était le cas, vous doutez bien que des gens comme moi auraient été reconnus par l'État en tant qu'exemplarité. Justement, moi j'ai refusé de cautionner et je suis pas celle qui suis allée voir les médias, vous savez les fameux lanceurs d'alerte qui donnent. Hein. Moi j'ai fait des alertes en interne. Je suis allée voir l'inspection du travail, ne sachant pas quoi faire, qui m'a dit « Madame Gibault, vous êtes élue du personnel, vous posez vos questions pendant les réunions, vous faites des procès-verbaux que vous envoyez à vos collaborateurs et en parallèle, vous déposez une plainte contre la banque. » Et moi, j'avais dit donc en 2009 « Mais je dépose une plainte contre la banque, je suis une maman qui a deux enfants. Si j'ai plus de travail, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et la réponse de l'inspection du travail a été « Madame Gibault, nous sommes là pour vous protéger. » Donc, moi, je fais confiance à l'inspection du travail. Je fais confiance après aux douanes. Je fais confiance à la justice française. Je fais confiance après à Bercy. Alors, c'est bien gentil de me donner un statut de lanceur d'alerte. C'est bien gentil de me donner un statut de collaborateur occasionnel du service public. Mais ça sert à quoi ? Puisque de toute façon, là, le dossier est dans les mains du ministre qui décide avec vos impôts de faire appel des décisions de justice. De l'autre côté, face à UBS, vous voyez, j'en suis sortie en 2012. On est en 2023, il n'y a toujours pas de procès. Je fais partie des gens qui sont les exemples qu'il ne faut surtout pas suivre. C'est-à-dire qu'on dit aux citoyens, surtout il faut que vous soyez honnête, parce que sinon vous allez en justice immédiatement. Et puis on l'a vu avec les Gilets jaunes et ceux qui manifestent contre les retraites, qui sont immédiatement mis en garde à vue. Et puis là, tout de suite, il peut y avoir une sanction. Donc si vous faites mal, ça ne va pas. Puis si vous faites bien, ben, il vous arrive le même sort. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Et c'est pour ça que c'est quand même très important de parler de la responsabilité des personnalités politiques françaises, mais aussi de tous les intermédiaires qui ont des professions réglementées, qui sont ceux qui vont vous dire « la loi c'est ceci, la loi c'est cela », et qui, eux, qui parmi eux, ont quand même des très grands fraudeurs fiscaux. C'est tout un mensonge en bande organisée. Et pour que les gens comprennent ça, le Covid, ça y a aidé un peu, de montrer le mensonge médiatique orchestré avec le politique. Grâce à Cahuzac, on sait que les rétrocommissions des laboratoires pharmaceutiques, ça finance quand même des partis politiques.
Ben, ça, c'est le dossier UBS. Et c'est marrant, une fois de plus, c'est déconnecté au quotidien. Alors, on va parler d'un épisode, chère Stéphanie, l'épisode Roselyne. Comment est-elle embauchée ? A-t-elle été embauchée ? Parce que vous écrivez que c'est quand même une femme qui détonne dans ce milieu. Et qui est-elle exactement ? Bah, c'est une bonne question. Moi, quand il y a l'affaire Birkenfeld qui explose, un vendredi soir à 20h, j'étais à mon bureau, et je vois une convocation dans le bureau de Patrick Defayette le lundi matin à 9h. Je me dis, mon Dieu, je vais te virer. Enfin, à 20h, vendredi, vous êtes là, une des seules à votre bureau. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, le lundi matin, j'arrive où il y a la DRH. Ma boss de Genève au téléphone. Et donc, on m'apprend que j'ai quelqu'un qui va arriver pour chapeauter le département. Et moi, comme je suis une idiote et une naïve et une gentille, je dis, mais alléluia, moi qui ai tellement de boulot, je vais avoir moins de travail. Donc, c'est fait pour me soulager. Moi, j'ai rien vu venir. Et donc, les jours se passent. Et puis, mais moi, je dis, mais qui est-ce ? Qui est-ce qui arrive ? Qui c'est ce monsieur ? Je pense que c'était un homme. Et puis, on me dit, oh là là, secret, on ne peut pas en parler parce que par rapport à son job actuel, il ne faut pas que ça se sache. Et je croise un type qui est aujourd'hui le patron de la Barclays à Monaco, qui était le bras droit de Patrick Defayette à l'époque, qui me dit, ah ben alors, elle arrive quand, votre chef ? Je dis, comment ça, c'est une femme ? Et ben, il me dit, mais tout le monde le sait, elle arrive de BNP Paribas. Et là, je me suis dit, ça a été un vrai signe, hein, ça c'est fin 2007. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, je rentre dans mon bureau, je dis à mon assistante et à ma collègue, je dis, vous savez que c'est une femme ? Puis elle, pareil, me regarde, me dit, mais non, on n'est pas au courant. Donc, vous voyez, c'est quand on dit la culture du mensonge, la culture du secret, ça sert à quoi ? À qui profitent ces crimes, justement, de ne pas dire à des gens qui sont dans une entreprise depuis 10 ans, qui va à nouveau les diriger ? Et puis, cette femme arrive, alors un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Moi, j'aime pas être. Je suis pas quelqu'un qui aime critiquer ni le physique des gens, ni leur apparence, ni. Mais quelqu'un qui a rien à faire là. Chez UBS, tout le monde a une espèce de profil identique. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, on a quelqu'un qui détonne complètement. Puis qui est censé avoir des qualités supérieures aux vôtres pour diriger un département. Et puis dès qu'elle arrive avec moi, en tout cas avec moi, ça se passe mal. Mes deux collègues me le disent, m'ont immédiatement dit, mais cette femme, elle t'a prise en grippe. Pourquoi ? On ne sait pas. Et qu'en fait, la vraie question, j'imagine avec le recul maintenant, c'est qu'en fait, elle a dû être briefée à un moment donné pour dire celle-là, elle en sait trop, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Et puis voilà, avec un profil, chez UBS, tout le monde a un profil psychologique, donc maman, depuis 10 ans, deux enfants, divorcés, je sais pas quoi, sensible, sympa, tout le monde l'aime bien, j'en sais rien, serviable, je sais pas ce qu'ils ont dû aller raconter sur moi. Donc en gros, voilà. Et donc, les choses ont été terribles, elles se sont envenimées. Tous ceux qui ont vécu un harcèlement professionnel comprennent de quoi il s'agit. C'est-à-dire elle a été embauchée pour être votre supérieure et pour faire ce qu'elle a fait. C'était ça sa mission ? Je pense oui, puisque donc, n'oubliez pas, parce qu'on se retrouve en 2008, l'affaire Birkenfeld, où la banque ne va pas très bien, où on est en train de tout restructurer, et que moi, avec mon histoire de destruction de fichiers, j'ai compris que quand on demandait de détruire des données, c'était supprimer donc la mémoire individuelle, mais aussi la mémoire collective d'une entreprise. Vous savez, détruire des données, surtout sans ordre écrit, c'est du pénal. Donc, c'est quelqu'un qui a été recruté, a priori, à prix d'or, à qui on a fait croire au Père Noël, parce que l'UBS est aussi très fort pour manipuler tous ceux qui veulent bien croire son discours officiel. Et puis que cette femme est arrivée chez BNP Paribas avec l'image qu'avait UBS à l'époque de plus grand gestionnaire de fortune au monde, patin, machin, couffin. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont vendu. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouviez dire, écoutez, on se quitte d'un commun accord, ou vous aviez malgré tout les mains liées avec eux ?
Bah, moi, je vous dis, j'étais une élue du personnel, donc je m'occupais beaucoup des autres. Moi, j'avais une vie de maman, voilà, où j'avais l'école le matin, l'école le soir, la nounou, la babysitter, enfin, tout ce que une famille monoparentale peut, voilà. Moi, j'avais monté cette banque, hein, au niveau communication et au niveau marketing opérationnel. Donc, je connaissais bien les clients de la banque, je connaissais bien tous les partenaires de la banque, je connaissais mon métier à fond et moi j'adorais mon métier. Donc, j'ai pas, mais certainement que c'est de ma faute. J'aurais peut-être dû dire, bon, j'ai 40 ans, tant pis, je passe à autre chose. J'aurais peut-être dû, mais sauf que j'en avais pas la force parce que j'étais fatiguée et puis que tout ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, ça m'a tellement cassée que j'aurais jamais été capable après d'aller passer des entretiens d'embauche avec la tête que j'avais et puis avec. C'est compliqué de raconter une histoire positive quand vous êtes au fond du trou et que vous êtes harcelé, etc., etc. Mais je vous dis, sur moi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce qu'il est évident que j'ai une force de travail et puis une droiture, etc. Et que le monde du travail m'a complètement tourné le dos depuis 15 ans alors que j'avais travaillé 22 ans ou 24 ans sans problème. C'est-à-dire que moi, justement, pour le coup, j'ai plus de revenus depuis plus de 10 ans, mais en plus, j'aurais pas de retraite. Vous voyez, cette histoire de Bercy, cette histoire de faire appel. C'est-à-dire que moi, les 500 euros de minima sociaux, je les ai même plus parce que Pôle emploi a décidé qu'ils ne me donnaient plus depuis 3 mois. Et qu'en même temps, comme c'est, vous savez, que c'est les 25 meilleures années de la carrière sur 40, je ne sais plus combien d'annuités, bah moi, il va m'en manquer un minima 15. Pour avoir aidé l'État et pour avoir refusé d'être complice. Parce que n'oubliez pas que si j'avais jamais détruit ces données, qui vous dit que moi, j'aurais pas été mise comme des collègues de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, en garde à vue, à 6h le matin, 4 mecs qui tapent avec les menottes et qui vous embarquent devant vos enfants en pyjama qui pleurent et votre épouse, votre mari qui comprend rien et vous vous retrouvez traumatisé. Moi, j'ai eu l'occasion de voir et de revoir des collègues à qui c'est arrivé, des gens qui avaient plus de 50 ans, qui étaient des gens qui travaillaient et qui, pour le coup, avaient pas déconné, qui étaient pas ceux qui étaient les grands banquiers qui, ces gens-là, sont des gens qui, même 10 ans après, ils n'ont pas dû s'en être remis. Et ça, c'est le fonctionnement, justement, des autorités, vous voyez ? Parce que, justement, les autorités avaient les noms de ceux qui fraudaient vraiment. Mais aujourd'hui, sur cette affaire, combien d'entre vous avaient été sacrifiés ? Ah ben, je suis la seule. Vous êtes la seule ? C'est-à-dire que tous les autres qui ont été plus ou moins mouillés, enfin, ou qui n'étaient pas plus... Enfin, ah enfin, oui, parce que tous ceux qui ont eu des procès contre BS, c'est juste des procès au niveau prud'homal. Et prud'homal, comme vous le savez, les médias le répètent assez, et les syndicats aussi, le prud'homme, c'est un problème entre un employeur et un employé. Donc, c'est un problème de harcèlement, c'est un problème de licenciement, c'est un problème de... je ne sais quoi, mais c'est du social. C'est pas le reste. Moi, mon livre, là, que vous avez, plainte en diffamation... Ça a duré 7 ans et demi. Ils ont enlevé la plainte en diffamation l'année dernière, juste avant qu'il y ait le procès en appel. On peut se demander pourquoi. Mais on vous empêche d'avoir la parole pendant 7 ans et demi, donc du coup, les gens ne vous reçoivent pas. C'est toujours pareil, hein, qui est le plus fort ? Le plus fort, c'est UBS. Donc, c'est pas moi, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va pas prendre de risque et c'est tout. Bien sûr, je vais lire un extrait qui est excessivement intéressant. Au départ, il ne comprend pas bien l'intérêt de mes fichiers. Je lui explique et lui montre un exemple sur papier que j'ai emmené avec moi. Il contient le nom de Carla Bruni, qui est devenue l'épouse du président de la République. Maître Dufeu en laisse tomber son stylo dans son verre d'eau. Vous la connaissez ? Pas du tout. Mais comment avez-vous fait en 2002 pour démarcher son association au profit de qui vous avez organisé ce concert? Je ne sais pas, c'est une idée de la banque en Suisse. Est-ce que vous savez où vous avez mis pied là? Écoutez, votre dossier, vous allez me le laisser. Vous me tenez au courant, mais surtout, vous ne détruisez rien. Sinon, vous allez être mis un jour en garde à vue et vous finirez en prison. Demandez un écrit, vous entendez. Vous demandez un écrit.
Je sors de ce déjeuner, retourné par l'ampleur du scandale dans lequel je suis potentiellement impliqué, rassuré aussi d'être enfin conseillé. Bradley Birkenfeld avait éveillé mes soupçons. Mon ami Oscar, puis maître du feu, m'ont ouvert les yeux sur la véritable vocation d'UBS France. Dans le bel immeuble du boulevard Haussmann s'active un certain nombre de cols blancs qui chaque matin se lèvent pour gruger l'État français en favorisant l'évasion fiscale des grandes fortunes du pays. Sans le savoir, depuis 1999, je favorise leur dessein en organisant des soirées sur mesure. Leur magouille, maintenant qu'elles sont mises à jour, je ne veux plus, de près ou de loin, y être mêlé. Désormais, je vais suivre scrupuleusement les instructions de Maître Dufeu, quitte à ce que mon quotidien en souffre. De toute façon, ai-je le choix ? Et oui, là, vous n'avez plus le choix, pour le coup. À ce moment-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu mon livre, mais écoutez ce que vous dites, mais vous n'imaginez pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu l'impression de rentrer il y a 15 ans dans un cauchemar, et il y a même des jours, aujourd'hui, le matin, je me réveille, je me dis, mais en fait, je l'ai rêvé, cette histoire. Elle n'existe pas, hein. C'est pas ma vie. C'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas possible. Moi, j'étais quelqu'un de gay, j'étais quelqu'un de sociable, j'étais quelqu'un d'intégré dans la société, je suis quelqu'un d'honnête, je vais me réveiller, c'est pas possible. Et puis en fait, non. Les jours passent, le téléphone ne sonne jamais, il se passe rien, et la société civile, alors que les lois de protection de lanceurs d'alerte ont été passées, alors que moi je suis allée partout, je suis allée au Bundestag, je suis allée au Parlement européen, au Luxembourg, au Parlement européen, à Bruxelles, au Sénat, à l'Assemblée nationale, sur l'évasion fiscale, sur les lanceurs d'alerte. Et c'est Bercy qui me dit « je suis pas lanceur d'alerte », parce que j'usurpe ce titre-là. C'est Bercy qui fait appel des décisions de justice, alors que je suis en plus collaborateur occasionnel du service public. C'est UBS qui a sali mon image partout, alors que j'ai travaillé 22 ans sans jamais avoir un problème avec qui que ce soit. Les associations, les syndicats, ben justement, ça tourne le dos. Qu'est-ce que ces associations font, par exemple ? Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu lorsque vous avez contacté ? Rien. L'autre jour, je me suis retrouvée avec l'année dernière, je me suis retrouvée au moment où la loi Wasserman était votée à l'Assemblée nationale, avec la maison des lanceurs d'alerte, où la journaliste leur a dit, mais pour Madame Gibault, oui, on connaît le cas de Madame Gibault, mais on s'occupe des lanceurs d'alerte. C'est tout. Sophie Binet, qui est maintenant la secrétaire générale de la CGT, j'ai rencontré Sophie Binet, parce qu'elle était à l'UGIC, donc si j'étais cadre, ça devait être en 2014. Alors comme je connais Julian Assange, forcément, j'intéresse tout le monde. Et puis en fait, très content de parler d'évasion fiscale, etc. Et puis en fait, du jour au lendemain, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire non, on peut plus vous défendre. Parce que politiquement et de manière idéologique, il faut avoir les mêmes idées. Alors que moi, j'étais une salariée du personnel, que je sois de droite ou de gauche ou d'autre chose, ça n'intéresse que moi. Eh bien, ça pose un problème quand on n'a pas les mêmes idées politiques que les gens qui dirigent les syndicats. C'est-à-dire que c'est très orienté. Donc, du coup, elle m'a claqué la porte au nez en m'envoyant un mail en me disant que j'étais quelqu'un d'infréquentable. Et ça, c'est quand même intéressant. Mais moi, je vais vous dire, les syndicats, ils font les beaux comme ça dans la rue, mais en réalité, ils sont subventionnés par l'État. Leurs délégués du personnel, souvent, sont payés aussi par l'État, pour le coup. Ceux des syndicats, je parle. Hein. Et en réalité, les syndicats aussi gèrent la protection sociale. Hein. Bon. En réalité, ils sont pieds et poings liés avec l'État, ces syndicats. Mais moi, j'étais au SNB, donc le syndicat national de la banque. Je travaille dans la banque. Vous avez entendu sur les dossiers de toutes ces fraudes bancaires ? Vous les avez entendues sur le dossier ? Moi, j'ai déjeuné avec l'ancien secrétaire général. Je connais pas le nouveau, donc il y a 7-8 ans.
pour lui parler de cette histoire, pour lui crier aussi au secours. Bon, bah, j'aurais certainement ma place dans un syndicat, j'aurais certainement ma place dans une ONG, j'aurais certainement ma place à Bercy, m'occuper de la communication. Ben non, il n'y a personne. Alors, tout le monde lutte contre la fraude, tout le monde est contre les paradis fiscaux. Vous voyez, avec l'histoire des Luclix au Luxembourg, quand il y a eu le procès de Raphaël Allais et Antoine Deltour, il y a tout le monde. Les syndicats, il y a les journalistes, il y a les associations. On est contre le Luxembourg. Hein. Vous les entendez aussi au Parlement européen. Et là, c'est la plus grosse affaire de fraude fiscale en France qui se passe sur notre territoire, avec des manipulations dans tous les sens, où on vous dit les lanceurs d'alerte, on les protège, et que la première à être crucifiée, c'est quand même moi. La première sur laquelle il y a les appels en justice, c'est moi. Celle qui a 15 ans de procédure, c'est moi. Et qu'en fait, malgré tout, eh bien, c'est toujours eux les plus forts, et c'est eux qui gagnent. C'est-à-dire alors, que il y a aucun soutien à attendre de qui que ce soit. C'est absolument effarant de voir le désert. C'est-à-dire qu'il faut servir l'image de tout le monde en permanence. Il faut être… Alors, je vais lire un passage qui me paraît complètement dingue, on va dire. Félicien, responsable du service juridique, m'adresse un document qui récapitule les instructions à suivre en cas d'enquête. En cas de descente des autorités dans la banque, les hôtesses doivent… Ah, ça, c'est complètement fou. Enfin, franchement, bon, je ne savais pas que les banques avaient ce type de documents à leur possession. Bref. 1. Accueillir les enquêteurs et les guider vers une salle de réunion en évitant qu'ils aient un contact avec la clientèle. 2. Demander quelle autorité ils représentent et prendre connaissance des documents d'accréditation du responsable. 3. Noter le numéro de référence du dossier. 4. Indiquer que vous prenez contact avec les membres du service juridique. 5. Appeler immédiatement le service juridique et les informer du nom des enquêteurs, de l'autorité qu'ils représentent, etc. 6. Demander aux enquêteurs d'attendre l'arrivée de l'un des membres du service juridique, de la direction générale ou du responsable du bureau de province. 7. N'entreprendre aucune initiative autre que ce qui figure ci-dessus sans avoir consulté le service juridique au préalable. La note se termine par un ordre. N'évoquez en aucun cas la présence des enquêteurs avec quiconque autre qu'une personne figurant dans la liste ci-dessous au sein du BS ou non. Si vous recevez des appels ou des visiteurs non membres du BS à propos de cette enquête, veuillez vous adresser au service juridique. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont prévu le truc à chaque fois, et ils ont de quoi… UBS, c'est un état dans l'état. Alors, on disait tout à l'heure, UBS finalement est plus forte que l'État français, puisque UBS, c'est la banque des hommes et des femmes politiques partout dans le monde. Donc, UBS tient tout le monde par la barbichette. C'est même pas l'État suisse, c'est UBS. UBS, maintenant qu'elle s'est mariée de gré ou de force, mais maintenant qu'elle a avalé le Crédit Suisse, elle est encore plus puissante qu'elle ne l'était par rapport au compte qui était directement géré chez Crédit Suisse, même si certaines fortunes… Vous savez, quand on est un petit client, on a un banquier, vous êtes au Crédit Lyonnais, au Crédit Agricole, Société Générale, et quand vous avez une énorme fortune, si vous avez 100 millions d'euros, vous ne mettez pas 100 millions chez UBS. Vous avez 10 millions à droite, 20 millions à gauche, 30 millions ailleurs. Vous dispatchez, ça vous permet de pouvoir discuter des avantages que la banque peut vous rendre, que vous offrir, et des commissions, hein, et des frais de tenue de compte, etc. etc. Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, donc maintenant QBS est devenue encore plus puissante. Vous parliez au début de notre entretien de la problématique de monopole. Il se passe un truc très important que personne n'a compris. Moi, le juge Daïef, le juge Tourner, n'ont jamais voulu me recevoir. Je n'ai jamais été non plus appelé pendant les audiences. Bien. UBS a été condamné en appel. Mais UBS France se contente de la toute petite amende, 1,8 million. Imaginez, c'est le prix d'un ticket de métro, comme on dit en anglais.
ticket de parking. Les dirigeants se contentent aussi de leur prise, de leur peine de prison avec sursis et des 20, 30, 50, 100 000 euros qu'on leur a donné. Mais UBS Suisse, donc UBS Suisse, c'est celle qui a été obligée d'envoyer les 40 000 comptes à Bercy, elle fait appel de la décision en cassation. Alors, en appel, les 4,5 milliards se sont transformés en 1,8 milliard. Alors ça, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive à nous l'expliquer, parce que je n'ai toujours pas trouvé la réponse. C'est-à-dire qu'entre 2019, où UBS a été condamnée à 4,5 milliards, et 2021, où elle a été condamnée à 1,8 milliard, c'est-à-dire un tiers, hein, de première instance, il y a une jurisprudence qui est passée pour ne plus prendre la même assiette, et donc qui permet de diminuer d'autant tout ça. C'est-à-dire qu'au début, ils prenaient les avoirs planqués à l'étranger, et puis en fait, là, la justice maintenant ne prend que ce qui aurait dû être payé à Bercy. Donc il y a quand même, vous voyez, quand on parle de l'éthique en justice, il y a quand même des gens qui prennent des décisions, on ne sait pas qui ils sont. J'ai essayé de demander à des journalistes, personne ne sait. Mais donc UBS compte bien en cassation se sortir de ça. Pourquoi ? Parce que partout dans le monde, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne et ailleurs, UBS négocie. Vous savez qu'en France, il y a même maintenant, grâce à la loi Sapin, la possibilité de négocier sans passer par le procès. Ça veut dire que publiquement, bah, personne ne sait ce qui se passe, personne ne sait ce qui s'est passé. Peut-être beaucoup des gens qui nous écoutent ont suivi l'affaire HSBC, c'est ce qui s'est passé. HSBC a négocié 300 millions d'euros pour ne pas aller au procès. En Allemagne, UBS a payé 300 millions d'euros pour ne pas aller au procès. En Belgique, je crois que c'est 56 millions d'euros. Aux États-Unis, l'amende, c'était, je crois que c'était 1 milliard et 800 millions de dommages et intérêts. Mais là, en France, c'est la première fois où la banque est confrontée à un procès. Parce que dans sa communication, elle dit toujours, on n'a rien à se reprocher, on n'a jamais été condamné. C'est pour ça que l'appel en cassation en France serait quand même temps que tout le monde s'y intéresse très sérieusement, parce que d'un côté, UBS dit à l'État français, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez utilisé une de nos collaboratrices qui était, moi j'étais salariée de la banque en 2011-2012, hein, j'en suis partie que quand UBS a dû être informée que je devais travailler pour l'État sur ordre. Vous avez sorti des informations qui permettent de nous juger par une de nos collaboratrices, mais cette collaboratrice, elle n'est pas agent de renseignement. Donc, puisque je n'ai jamais été payé par l'État, puisque l'État ne veut pas reconnaître qui je suis. Donc, qui va gagner ce bras de force ? Est-ce que ça va être cette banque qui est maintenant mastodonte, plus fort que notre pays ? Où est-ce que la France, pays des droits de l'homme, fondateur de l'Europe, et tout ce qu'on a comme résistant dans notre pays et comme passé, va se réveiller et va dire « maintenant c'est fini, on veut passer à une autre époque, on veut montrer l'exemple, notamment par rapport aux pays européens, parce que c'est bien gentil d'aller dire qu'il y a le Luxembourg, qu'il y a Chypre d'un côté, qu'il y a Malte par-ci ou l'Irlande par-là, si on n'est pas capable en France de gérer ce dossier UBS. » Donc moi, je suis au milieu de deux trucs qui sont deux monstres qui, a priori, s'affrontent par des joutes verbales. Il suffit d'entendre les déclarations des ministres, etc. Mais qu'en fait, étonnamment, personne ne parle jamais de moi, qui suis au milieu de tout ça. S'il n'y avait pas eu mon histoire, il n'y aurait jamais eu l'affaire UBS, c'est clair. Dans le jugement en appel qui fait 160 pages ou 180 pages, mon nom et ma fonction sont cités plus de 50 fois. Donc ça veut bien dire que si je n'avais pas été là et que si je n'avais pas travaillé pour l'État, il n'y aurait pas eu cette affaire. Donc c'est comme ça que la France remercie ses lanceurs d'alerte, alors que c'est grâce aux députés français qui ont voté la loi Sapin que la France a fait le forcing à Bruxelles pour qu'il y ait une directive européenne de protection des lanceurs d'alerte dans l'Europe. Ce qui fait que derrière, il y a eu l'application de la directive. Vous avez permis un gain à la France d'1,8 milliard. De plus que ça. Ça, c'est 1,8 milliard pour l'amende
de la banque. Mais il y a les, tout ce qui s'est ajouté, là, des 5 ou 6 patrons qui ont tous eu des amendes entre 50 et 100 000 euros, mais il y a eu aussi l'amende française. Et puis, il y a quand même cette liste de 40 000 comptes qui est rentrée. Moi, je ne suis pas un ordinateur, je n'ai pas 40 000 noms dans mon cerveau. Mais enfin, cette liste, elle n'aurait jamais été obtenue si je n'avais pas travaillé avec l'État. On est bien d'accord. Hein. Alors, c'est bien gentil que M. Sapin et donc maintenant M. le maire me disent que je ne suis pas un lanceur d'alerte, que j'usurpe cette fonction, que je gagne une première fois en justice, puis qu'on se dit les décisions de justice, on s'en fout. Oui, collaborateur du service public, on ne peut pas en entendre parler, que je refasse une procédure et puis que bah, c'est les contribuables qui payent. Hein, ou là, une deuxième fois, la justice administrative dit à Bercy, attention, là, il faut quand même changer votre position sur Mme Gibault. Et puis, disons, non, on fait appel. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Qui sont ces gens? Vous voyez bien que c'est des... Vous savez, on est dans un pays de seigneurs, mais ce n'est pas seigneurs S-E-I, c'est seigneurs S-A-I. Ce sont des pirates qui saignent notre pays. Il n'y a plus d'école publique, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien. Les autoroutes ont été privatisées alors qu'elles avaient été payées par les Français. On ne respecte pas les décisions sur les référendums. On peut penser à l'histoire de l'Europe. Mais quand est-ce que les gens vont dire non? Et en fait, c'est ça la vraie question. C'est par leur fatigue au quotidien, par la précarité de leur vie, par la difficulté des problèmes que tous les gens ont au quotidien, ils sont donc focalisés, exactement comme moi, je suis chez EBS, alors là, c'est un super parallèle, ils sont focalisés sur leur métier, sur leur stress, sur leur truc. Et qu'en fait, il suffirait que tout le monde se dise, les partis politiques, on n'en veut plus, les syndicats, on ne veut plus les écouter, on veut savoir où est l'argent. Moi, j'ai une question qui est, à quoi ont servi les milliards que j'ai aidé Bercy à récupérer? Est-ce qu'ils sont à l'hôpital? Est-ce qu'ils sont dans le développement des maternités sur le territoire? Est-ce qu'ils sont allés aux étudiants précaires? Est-ce qu'ils sont allés au développement de l'activité économique, soit la relocalisation des entreprises, mais aussi le redéveloppement, la réindustrialisation de notre pays? Est-ce qu'ils sont allés pour éviter qu'il y ait une inflation à 2 chiffres depuis 2 ans? Est-ce qu'ils sont allés vers tous ceux qui font preuve justement au quotidien d'exemplarité? Est-ce qu'ils sont allés au TPME? Est-ce qu'ils sont allés pour éviter qu'il y ait un coût de l'électricité, du gaz qui soit hallucinant? Où est l'argent? Parce que moi, je sais où il est, cet argent. Et si on ne m'a pas laissé la parole, c'est bien que justement, ça gêne au plus haut niveau. Il est où, cet argent? Cet argent... les paradis fiscaux se sont réorganisés, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les petites fortunes ne peuvent plus ouvrir en Suisse, ça c'est clair. Elles peuvent ouvrir dans d'autres juridictions, parce qu'on l'a vu avec les Panama Papers, avec les Paradise Papers, avec les Mauritius Files, avec les Football Leaks. Il suffit quand même de regarder l'actualité de toutes les leaks. Il y a quand même un certain nombre de Français à chaque fois qu'ils se retrouvent dans les mailles du filet. Sauf que ça passe un peu comme ça, parce qu'on est le pays des affaires et que... Après, on est le pays où la justice prend son temps. Regardez Madame Lagarde, qui donc était à Bercy, quand moi j'ai travaillé avec les douanes. Madame Lagarde, dans le dossier Tapi, elle est responsable, mais pas coupable. Mais qu'est-ce que vous voulez que le citoyen y fasse par rapport à ça? Qu'est-ce que le citoyen peut faire? Et que c'est pour ça qu'il faut changer de raisonnement, il faut changer de fonctionnement, il faut se dire que l'éthique doit être au cœur de la politique. Alors moi, quand je dis ça, tout le monde se marre en train de dire « Attendez, l'éthique en politique ?» Mais si, c'est l'histoire de Martine Donat. L'éthique en politique, sinon tous les députés, tous les sénateurs de PACA, où je vis quand même depuis fin 2017, ils seraient tous vent debout pour aller les récupérer. Pourquoi ils ne vont pas les récupérer, ces 400 milliards? La région PACA, elle n'a pas besoin d'argent. Et ce qui est vrai pour PACA, c'est vrai pour toutes les autres régions. Certainement aussi, même pour les DOM-TOM. Donc, pourquoi est-ce que l'État ne va pas récupérer cet argent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une volonté? Pourquoi est-ce qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, ils sont soutenus par 2 ou 3 députés? Vous avez, alors, où est-ce que les patrons de la grande distribution ont leur compte? Moi, je sais, je les ai tous vus avant. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez recevoir Christine de Vigeoncourt. Christine, moi, je la connais bien. Vous allez quand même lui demander où a été ouvert le compte, où ont transité tous les milliards
dont elle a été accusée de bénéficier, alors que c'est pas du tout elle qui a bénéficié de ces milliards. Elle a été le fusible qui fait que... Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas dans quelle banque a été ouvert ce compte ? Moi, j'ai la réponse à toutes ces questions, si vous voulez. Mais ce serait bien que, justement, on aille chercher vraiment les fraudeurs, qu'on les traque, et qu'ils aient un traitement bien pire que les gilets jaunes, bien pire que les étudiants qui manifestent pour plus être en précarité, bien plus que ceux qui veulent bénéficier d'une retraite parce qu'ils ont le dos cassé et qu'ils peuvent plus être les mains dans le cambouis ou réparer, j'en sais rien, la voirie ou être femme de ménage à 65 ans. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui était porté par des valeurs universelles, qui est devenu un pays où on est la risée à l'international? Enfin, moi, j'ai beaucoup de contacts à l'international. Les Français, on est vu comme... voilà, on n'a plus de crédibilité. Donc, comment vous voulez aller défendre l'intérêt de notre nation à l'international, vu comment on traite la population? Vous avez totalement raison. Même l'ONU a brocardé avant-hier. En tout cas, merci beaucoup, chère Stéphanie, pour ces 2h15 d'entretien. Voilà, achetez ce livre, La femme qui en savait trop. On peut encore le trouver au Cherche Midi ? Oui, bien sûr, oui. On peut le trouver aussi sur les sites en ligne, que ce soit la FNAC ou site autre chose. Moi, je pense de toute façon qu'il faut garder à l'esprit, c'est un peu comme l'affaire Assange en Angleterre, face au mastodonte américain, c'est qu'il faut garder à l'esprit déjà que les pays ne sont pas amis, et les pays ont chacun leurs intérêts à défendre, et qu'il va peut-être falloir que la France, enfin, défende les intérêts des Français. Et que pour y arriver, vous savez qu'on a une fameuse phrase française qui nous vient d'Alexandre Dumas, des Trois Mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Ben, il va falloir vraiment que cette formule qui date de siècle passé, soit remise au goût du jour et qu'on ait enfin à nouveau des mousquetaires un petit peu partout qui aient à la fois du courage, qui font preuve de solidarité pour qu'il y ait plus de justice sociale, pour qu'on recrée des emplois, pour que ce soit le pays du bien-vivre. Enfin, moi, quand j'étais enfant dans ce pays, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Alors, j'ai pas 3 siècles quand même si on vient de m'enlever 15 ans de ma vie, mais enfin, on voit bien que ce pays, c'est plus du tout le même qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a des réseaux qu'on peut qualifier de mafieux qui se sont développés au cœur de nos institutions et que tout ça s'est caché. Hein, en anglais, on dit ça se joue derrière des portes closes et que face à ça, le citoyen, il est démuni. Donc, il va falloir développer ce qui faisait l'intérêt de notre pays, notamment notre devise liberté, égalité, fraternité. La liberté, on en a quand même de moins en moins, même de liberté d'expression. Fraternité, bah, quelqu'un comme moi, je peux vous dire que en 15 ans, j'ai quand même pas eu de soutien. Et d'égalité, bah, vous voyez bien que ne serait-ce que face à la loi, on n'est absolument pas égaux. Donc, En tout cas, merci beaucoup, chère Stéphanie, voilà, pour ces 2h15 d'entretien. Vraiment, on a appris énormément de choses. N'hésitez pas, chers amis, à partager à fond. Ce sont des entretiens que vous ne verrez pas à la télévision, ce sont des sujets que vous ne verrez pas, dont on ne parlera pas à la télévision, et pourtant ces sujets sont essentiels, ça concerne des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. On va débusquer ces affaires, on va tout le temps en parler, on va essayer d'en parler le plus possible. Voilà, comme l'a dit Stéphanie, on aura bientôt aussi Christine de Végeoncourt, donc on parlera de l'affaire Elf Aquitaine aussi à fond et d'autres affaires. Mardi soir, je vous vois pour un live avec Caroline Galacteros, on va parler de géopolitique. En tout cas, merci beaucoup, merci encore à vous, chère Stéphanie. Merci de votre écoute et de votre invitation. J'espère en tout cas que ça peut éclairer, sur ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne soirée et au prochain live. Salut, ciao. Merci.